Et salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau Dofus Live consacré à la match 2.33. Donc, moi c'est Kills. Oui, moi c'est Kills. Je dis bien encore une fois, je m'appelle Kills. Et à côté de moi j'ai Breeze, donc j'ai des sur Dofus, qui va venir nous aider à tester les super mages et tester la dimension Ekaflip, ainsi que les nouveaux thèmes Havresac. Salut à tous. Je check juste que le micro soit ok. Le métro, j'en Est-ce sais que rien. vous entendez bien Breeze et tout? Est-ce que vous m'entendez bien? 1, 2, 3, tête. Donc tu auras le retour du chat d'ici quelques secondes. Les réactions du chat sont très marrantes, évidemment. Du coup, voilà, on attend juste. Non, on l'entend pas, on l'entend pas. Ok, Si, bon bah si. du coup je Non, vais. non, pas trop, Brice. Non, faut que tu mettes le casque. J'ai pas envie de mettre le casque. Bon, faisons ça mieux alors. Voici le casque avec son fil qui m'étrangle limite. C'est bon, ça va marcher. Ok, donc on passe sur le jeu. On va commencer direct le programme par la découverte de la dimension EK et de l'hypermage au passage. Hop. Vous pouvez admirer les nouveaux overlays qui nous ont été faits par les graphistes. Encore merci. Ils sont nickel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une présentation des trois donjons? Ouais, Un combat dans chaque on donjon, peut. présentant un peu les sorts de l'hypermage, ça me paraît correct. Donc là, je laisse la main à Brice, hein. Alors vous allez voir des commandes apparaître dans le chat, n'ayez pas peur, tout va bien. Dans le chat sur l'écran. Ouais. Alors ça, c'est quand on arrive ici, c'est on a le pouvoir en fait. Y a un truc qui pop Ouais, c'est sur hyper chiant. l'écran, il faut que je le vire. C'est. Voilà, là, il peut faire ce qu'il veut en fait, c'est bien. Alors pour les phases de questions, donc j'ai noté toutes vos questions sur Twitter. Ce sera à 17, non, à 18h. À 18h, vous aurez toute la phase de questions pendant 45 minutes avec Brise. Donc toutes les questions qui sont posées sur Twitter, hashtag Dofus Live, seront posées. Et on aura une réponse en fonction de ce qu'on peut dire. Ouais, Et, parce qu'on peut. ensuite, on aura l'équipe Dofus le film qui viendra à 18h45. Pareil pour une séance de questions-réponses. Ah, c'est nouveau Oh, bugué ça comme tout à l'heure. bug. Aïe, aïe, aïe. Alors, il faut Alors, savoir qu'on est sur une maintenant. version locale qui. T'as fermé? Ouais, Attends, j'ai attends, fermé. je vais faire un truc. C'est quand tu fais des modifs comme ça c'est expérience. Tu enlèves. Parce que sinon, ça affiche tes mots de passe, tous ces trucs-là, tu vois, qui font pas trop trop plaisir à montrer. On teste sur une version locale qui est pas à 200% stable. Voilà. Du coup, il est possible que vous voyez des trucs que vous ne devriez pas Devriez pas voir. voir en Alors, fait. fermez les On yeux, va tout tout faire va pour bien. cacher, mais. On va essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux quand même. Mais comme j'ai dit, elle n'est pas super Même vos super bêta stable. locales bug. C'est le principe d'une bêta locale en fait. C'est celle-là qui doit être le plus buggée. C'est même pas une bêta, C'est même pas une bêta. c'est une version de développement en fait. Il y a des mises à jour qui sont faites en permanence et forcément ça donne une version très peu stable. Ok, donc ça va marcher, on l'espère. C'est bon, 100%? Ok, on est bon. Hop, je vais Donc, remettre le jeu. Sinon, les gens voient plus, t'oublies de remettre. rebonjour. Rebonjour. Donc, mon magnifique Upper-Mage. Et ça fonctionne. Ok, alors. C'est bien, faut que tu m'expliques tout. Parce que j'ai pas joué la dimension Ekaflip et j'ai pas testé l'Upper-Mage. J'ai regardé un petit peu ce que ça donnait. Mais je sais que par rapport à la bêta, il y a eu beaucoup de changements. Donc, c'est pas Donc, mal justement de faire un retour sur ce qui a été changé. bienvenue dans la dimension Ekaflip. Ceci est le Punisher, c'est le premier boss de la dimension Ekaflip. D'accord. Alors on va direct au boss, c'est pour une question de simplicité et de Simplicité, ouais. rapidité. On va pas passer des heures sur la dimension, c'est que la plupart d'entre vous en fait ont déjà eu l'occasion de la découvrir. Donc c'est juste un aperçu global de comment ça marche et c'est un prétexte pour montrer aussi l'Upper Mage à ceux qui n'ont pas pu le voir encore. Comme moi, par exemple. Donc Je là suis je suis en premier nouveau. solo, on a un modificateur de dimension qui est case bonus qui fait que des cellules vont apparaître et quand je vais me déplacer dessus je vais gagner 2 PA. Donc Ah, c'est là pas tout mal ça. bêtement je vais sur Les la ennemis cellule, aussi? pouf. Non, uniquement Non, les alliés. uniquement moi-même peut me déplacer dessus pendant mon tour de jeu. Ensuite on a le Punisher, donc là je vais faire le. Je vais passer en mode tactique, évidemment. juste une question sur ce que tu viens de dire. Le modificateur, à chaque tour de jeu de personnage, il est remis à zéro?
chaque personnage a peu en fait, ses modificateurs. Le glyphe disparaît à la fin de ton tour. Donc du coup, tu peux en profiter que pendant ton tour. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu joues à 4 dans la dimension. Si jamais moi je le prends avec mon hypermage, est-ce que mon collègue Eni peut le faire derrière juste après? Bah, en fait, il réapparaît au début de son tour. Un glyphe va apparaître au début de son tour et disparaît à la fin de son tour. Okay. C'est pas juste pour le tour complet, c'est par tour de personnage. Non, c'est par tour de personnage. Là, il va apparaître. Là, je vais pas le déclencher par exemple et du coup, il va disparaître. C'est invulnérable sur les invoques du boss. Alors, les invoques. Voilà, ce boss-là en fait possède 3 invocations avec chacune un état. Et en fait, quand on va les attaquer, ça va changer leur état. Il me semble. C'est bien ça. Et l'objectif, ça va être de le. Pour les gens. Je vais mettre le canal de combat, mais ça sera pas plus clair. D'accord, c'est plein de descriptions. Okay. Et l'objectif, en fait, il faut que je les attaque en mêlée. Et l'objectif, ça va être de les synchroniser, de faire en sorte que les trois aient le même état pour que le boss devienne attaquable. Alors là, on peut voir que les trois ont le même état parce qu'au début de son tour, le boss, il fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va, changer les états de ses trois invocations. Et si par hasard, bah, ça fait en sorte qu'ils soient tous les trois dans le même état. Par un pur hasard. Il y a combien d'états différents? Il y en a 3. 3, d'accord. Et bah du coup, il va appliquer des malus. Donc là, c'est le sort purification, vous pouvez voir dans le chat, qui désenvoûte, qui enlève un tour à la durée des effets des alliés. Non. On a une chance sur 9 que le boss se déloque tout seul. Quoi, quand je l'attaque, tant que les monstres ne sont pas dans le même état, je subis les dommages que je lui occasionne, en fait. D'accord. Mais pourtant, ils étaient tous dans l'état 1, si j'ai bien lu. Oui, mais c'est le boss qui les a mis dans cet état, donc du donc coup, ça n'a pas fonctionné. Il faut ça que marche. Je le fasse moi-même. Il fallait que tu les enlèves, puis que tu les remettes. Bah, voilà, en gros. Ok. Bon, après, j'ai plus exactement l'ordre en tête de comment je suis censé les attaquer pour un... Voilà, là, ils sont tous dans le même état, par un heureux hasard, mais ils le sont tous, et donc maintenant, quand je l'attaque, ça fonctionne, je ne reçois pas de dommages de renvoi. D'accord. Magie. C'est un sort de vol de vie que t'as lancé, hein. C'était un sort de vol de vie, absolument. Ouais. Alors, l'Uppermage, donc ça c'est le concept du boss. Je vous fais pas le concept des différents monstres, ouais, à part peut-être le Pitbull qui a une particularité, c'est que quand il est au contact d'un allié, il a la possibilité de faire en sorte que les dommages que l'ennemi reçoit, enfin au contact d'un ennemi, les dommages que le Pitbull va recevoir vont être envoyés à l'ennemi qui est à son contact. Et d'accord. Pour éviter cela. Une sorte de putsch en fait. C'est une sorte de sacrifice en fait. Lui va. Ah, lui, il fait pas de dégâts, mais d'accord, ok. C'est comme s'il lançait un sacrifice sur un. Comme si l'ennemi lançait un sacrifice sur lui-même. Okay, et du coup, quand tu attaques le Pitbull, ça tape les ennemis qui sont à son corps. Ça tape plutôt l'ennemi qui a été ciblé en tout cas. Et le seul moyen de s'en défaire, c'est de le repousser, et à ce moment-là, ça règle le problème. S'il se met à côté. Ouais, ok. D'accord. L'Uppermage. Ah oui, j'ai oublié que c'est des vagues, on est en dimension, c'est vrai. Oui, évidemment, c'est un système de vagues de monstres, donc il y a des monstres qui vont apparaître les uns après les autres. Donc le permage fonctionne via plusieurs systèmes, je pense que pas mal d'entre vous sont déjà au courant, mais on peut rafraîchir leur mémoire. un système de combo élémentaire classique, c'est que en fait, quand je vais attaquer dans un élément, le monstre va être dans un élément. Donc là, par exemple, celui-là, je l'ai déjà attaqué dans l'élément terre, donc il a l'état terre et on le voit... au-dessus de... Je vais pas vous le montrer parce qu'en fait, si je montre à l'écran, vous verrez pas. C'est pas grave. Et ensuite, quand je l'attaque, feu... La souris se déplace hein, sur le stream. Fantastique. Il voit ta souris. Si tu cibles quelque chose. C'est génial. La technologie. Quand je l'attaque feu, ça va retirer les deux états, l'état élémentaire terre, et ça va faire un combo parce que j'ai attaqué feu, donc ça fera terre plus feu. Et terre plus feu, qu'est-ce que ça fait ? Différents. Et bien ça, normalement, ça augmente les dommages subis. C'est ça. Ça augmente les dommages que le monstre va subir de 20%. Mais uniquement pendant un tour, donc l'Uppermage ne peut pas en profiter sur son prochain tour de jeu. Non, il n'en profite que pendant le tour en cours, et tous ses alliés qui vont jouer entre les deux tours clairement fait vont pour jouer en groupe aussi. Quand on joue Terre-Feu. Oui, ou en solo ça fonctionne aussi... Si on a beaucoup de PA pour taper, par une exemple, fois qu'on a fait le combo. Si le monstre est déjà dans l'état terre, l'attaquer feu puis le réattaquer après, ça fonctionne plutôt bien. Okay. Est-ce qu'on peut cumuler deux combos dans le sens, il est déjà en état terre, je lui fais un sort feu, il prend le combo où il subit plus de dégâts, et ensuite je le remets dans l'état air, puis je fais un combo avec un nouvel état feu, et oui, ça fait. Absolument, mais pas deux fois le même combo. Pas deux fois le même, ok. Ouais. D'accord. Alors là, on peut voir que la pupusse a été intelligente, c'est quelque chose qu'elle fait pas trop en ligne, mais il y a des tests IA en ce moment, c'est-à-dire que là, il y a le.
Alors, je sais pas comment je vais expliquer ça va être un peu compliqué. Il y avait une rune élémentaire, parce qu'à chaque fois que j'attaque dans un élément, ça pose une rune à l'emplacement De l'emplacement l'emplacement de où la j'ai attaqué. cible, de la. Et après, j'ai la Si t'attaques possibilité. si pas une cible, ça pose pas de rune. Non, Ouais. si j'attaque dans le Donc vide, c'est là une je vais cible. attaquer dans le vide, Et pouf, sur un allié, ça tranquillement. pose? Sur un allié, ça ne fonctionne Ça pas ne non pose plus. pas. C'est uniquement les ennemis, d'accord. Là, vous voyez, la rune, c'est la case Voilà. feu. Donc là, quand le monstre est mort, on le voit encore mieux, parce qu'il y a le symbole Donc ceci est une qui est rune ici. Et il y a élémentaire. des sorts de l'Uppermage, si j'ai bien appris mes leçons, qui sont liés à ces runes, notamment runification qu'on obtient au niveau Absolument. 1. Et donc du coup, Et après, tu si vas le lancer, quel je vais enchaînement, avoir c'est la magnifique. possibilité d'utiliser runification, je mourrais d'impatience de le lancer. Runification, s'il n'y a pas d'entité présente sur la case où se trouve une rune, va faire apparaître une manifestation. Donc ici, c'est une manifestation qui vient de disparaître, qui a Efficace. été tuée par le Pitbull. Alors celle-ci, la manifestation, dès qu'elle est attaquée, disparaît, elle meurt, et elle génère un effet. Donc là, par exemple, la manifestation, c'était l'élément feu. Donc le Pitbull va attaquer cette manifestation élémentaire, et l'effet qui va être généré, c'est un échange de place. Donc le Pitbull va échanger sa place avec la manifestation. D'accord. Et je peux le faire moi-même, évidemment, si je fais des trucs comme cela. Ça va être plus explicite. Et qu'après j'attaque la manifestation, on voit que ça échange ma place avec. Ok. Voilà. C'était Bon là une j'ai pas attaqué, c'est la coïncidence ou prévisualisation. quand il a tué lui-même la manifestation, il s'est mis dans l'état-feu? C'est une pure coïncidence? En fait, il était déjà dans l'état feu D'accord, avant de la ok. tuer parce que lorsque je lance runification et qu'un ennemi est présent sur la rune, Il ça va lui reprend l'état. appliquer Il l'état reprend de la l'état. rune et lui Ok. faire des dommages, en plus de booster le permage D'accord, ok. dans l'élément donné. Ok. Donc le fonctionnement de l'Uppermage repose pas mal. Là je vais cheater un peu parce que je ne fais pas grand chose du combat et du coup je vois que j'approche de la mort. Voilà. Ah, c'est bien ça en plein combat, c'est intéressant ça. C'est utile, ça peut être utile. Ça c'est pas mal ça, j'aime bien. Donc Give life, c'est ça? Ok, je prends des petites notes là. l'intérêt de l'Uppermage c'est d'utiliser ses combos élémentaires. Donc il peut les utiliser de plusieurs façons. La première, c'est ce que je vous ai montré au début, c'est-à-dire les combos élémentaires à base de plusieurs éléments différents. Mais il a aussi la possibilité d'utiliser des combos élémentaires de façon un peu diverse et variée, on va dire, avec ses différents sorts. Par exemple, Polarité va lui permettre d'échanger sa place directement avec quelqu'un qui est dans l'état feu. Par exemple, là je lance sur le Pitbull, Ouais. boum, j'échange de place avec. Et polarité a un effet différent suivant l'état élémentaire de la cible. Absolument. C'est ça. Et Donc du ça, soit coup, ça prend la place, alors soit que sur un perso qui est à l'état ça terre, téléporte de normalement l'autre ça le côté. repousse. Ça le Et bon, repousse. du coup Là, là il ça était n'a par pas eu ligne. énormément d'effet parce que En Diago, ça marche aussi? oui, en Ok. Diago ça marche aussi. Parce que le monstre était contre un mur évidemment. Ça pousse de combien? Deux cases? Faut que je me souvienne, 3 cases de mémoire, ouais c'est ça. Trois 3 cases. cases. Et du coup, en diagonale, ça fait quoi? En diagonale, ça va repousser de 2 cellules en diagonale. D'accord. Donc quatre cases. Non. De 2 cellules. Donc deux De cases. 2 cases. D'accord. Ok, ça marche. Je peux le montrer rapidement pour que ce soit Et plus clair, après, mais. c'est quel élément qui fait qu'on se téléporte symétriquement comme la télépée d'Uxelles? Alors normalement c'est l'élément R, c'est-à-dire que je R. vais pouvoir mettre un monstre dans l'élément R, utiliser polarité dessus, ça va me téléporter de l'autre côté du monstre C'est vraiment ce tranquillement. sort, je pense, qui fait la force, qui fera les combos qu'on pourra peut-être voir en PvP. Le fait de pouvoir se déplacer comme ça avec ce sort-là, Voilà, ça pourrait se être déplacer, changer intéressant. de position, il faut voir que les téléportations sont assez limitées. Normalement c'est à 4 cellules autour de la D'accord. manifestation pour la manifestation Ouais. et à 5 et 4 PO aussi Mais pour la étant donné qu'on polarité. peut quand même utiliser deux polarités par tour, ça veut dire qu'on peut prendre la place de quelqu'un puis se TP symétriquement par rapport à un autre, on peut quand même. Si on gère bien la pose des éléments, Et ouais, c'est tout à fait avec la possible. TP symétrique, comme le Xelor, on cope la cible. Absolument, il y a un échange de D'accord, place, il n'y a ok. pas des atéliffrags qui est posé évidemment, mais il y a un Ouais, mais échange de c'est vrai, ça place. peut être intéressant de ce point de vue-là, Donc ok. on a à tout moment la possibilité de poser aussi une rune à l'emplacement des entités qui sont marquées. Par exemple, là, le Grat a été dans l'état feu, je lance le sort empreinte, et ça va poser une rune à sa position. D'accord. Et ça, pour toutes les entités Toutes les présentes sur entités, la donc si carte. t'as les états partout, tu fais empreinte et il y a des runes Ça partout. permet de poser des Donc runes, empreinte voilà. runification, c'est assez efficace comme ça. Absolument. D'accord. Et en parallèle de ça, on a contribution. Qui permet de buffer un allié, de lui donner des envoûtements, ou ça marche aussi sur le permage lui-même, en fonction des envoûtements D'accord. de ses ennemis, en fait Donc des états élémentaires de ses ennemis. s'il met 4 cibles dans 4 états élémentaires différents et qu'il fait contribution, il est bien bien boosté quoi. Il a Voilà. les 4 boosts. Exactement. Bon, il y a d'autres sorts, je sais pas Le pourquoi c'est je me possible de retrouve à cumuler l'autre les bout de la boosts map sur là, plusieurs mais. personnages ou le cooldown l'empêche?
de contribution? Contribution permet, en fait le cooldown c'est de 2 tours et la durée du buff dure 2 tours, okay, mais il est possible de cumuler 2 fois les envoûtements. Donc c'est des PA, des PM du... Ah donc s'il y a 2 cibles en état feu, je prends 2 fois le bonus feu. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Donc là on peut voir la description, c'est 150 puissance, des points de bouclier, des PA ou ah des oui, PM. Ah oui, ça peut être 2 PA, 2 PM. Potentiellement il est possible de donner 2 fois chaque bonus. Ah ouais, ça peut être très sympa ça, effectivement. Et là je vais encore mourir. Et du coup, on va annuler le fight. Ce sera pour s'attaquer. Tu peux refaire un give life parce qu'avec l'héros t'as pas récupéré ta vie. Ouais, c'est pas dramatique. Oui, c'est vrai que tu peux faire en combat, tu t'en fous de comment c'est. Sans vitalité. À Hush et expliquer Hush. Puis après, on s'attaquera au Chaleuil si on a un peu de temps. Je sais pas si on aura. Si, on a le temps. On a le temps. Si tu me dis qu'on a le temps. A 15 minutes, un donjon. 45 minutes. C'est bien, non, mais c'est vrai. Surtout que là, t'as passé quand même pas mal de temps à expliquer Super Mage, donc on a. Oui, c'était celui qui nécessitait le moins d'explications. Et je pense que. On a de nouveau le bug. Non, tout va bien. Hush Galèche. Là, il va y avoir la nécessité. Beau placement de départ, ça. Là, il n'y aura pas besoin du mode tactique. Ouais, pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'obstacles sur la map. Donc la carte est super jolie. J'aime bien. On va s'arrêter une minute pour. pour l'admirer. Faisons ça. C'est bon. Alors Hush Galèche, c'est un personnage qui est présent pas dans le film, il me semble, mais dans les OAV Wakfu. C'est un frère de Kirubim. D'accord. Dans le film, on parle d'un des frères, Hacham. Il y a Hacham. Et on entend qu'il y en a beaucoup. Je sais plus combien il y en a, mais il y en a pas mal. Donc Hush Galèche est présent dans les OAV Wakfu, dans la dimension Icaficus également. C'est un des enjeux et il a un petit rapport avec... Je sais pas si je spoil ou pas, parce que je sais plus ce qui a été dit, donc en fait je vais m'arrêter maintenant. Vaut mieux. Je suis pas maître dans l'art du background, je suis désolé. Donc, je vais plutôt parler du gameplay, c'est quelque chose que je connais, et donc je sais que je peux spoiler. Ici, dans la dimension Icaflip, et pour être plus précis, dans cette zone, nous avons les Matugaru. Donc faut bien distinguer deux concepts sur ce combat, on a le concept du boss, on a le concept des Matugaru. Les Matugaru sont des monstres assez classiques, sauf que en fait, au début de leur tour, il y a un Matugaru qui, au début de son tour, va se transformer. Donc là, on le voit, il y a une petite flèche bleu, qui se dirige vers le bas, ça veut dire que le chakra bleu... qu'il est en Super Saiyan au prochain tour, c'est ça? En gros, ça veut dire que dès qu'il va commencer son tour, il va se transformer en Matugaru. Et il va avoir des effets supplémentaires sur... La transformation fait un peu penser à celle du Tengu. Oui. Vous avez repris un peu la même chose. C'est un peu dans le même ordre d'idée. Mmh. Et donc en fait, il va avoir des effets supplémentaires sur un de ses sorts. Donc le chakra bleu. Alors il a subi pas mal de modifs. Donc je me souviens plus exactement laquelle on a gardé. Le Shakishan, par contre, je sais qu'il one shot. Donc du coup, ça, je m'en souviens. Okay. Du coup, en mêlée, le Shakishan, quand il est transformé, va tuer sa cible. Et en fait, le Matugaru, une fois qu'il se transforme, il va filer la transformation. À l'autre Matugaru le plus proche. D'accord. Et du coup, le prochain Matugaru qui va se transformer, c'est celui qui est le plus proche. Donc là, vu qu'il n'y en a que deux, ils vont s'alterner systématiquement. Donc D'accord. En fait, ils vont systématiquement tous les deux. Parce que l'autre, en fait, c'est une partie du boss, ça ? Non. Non, c'est même dans chaque. Les deux. Ah oui, d'accord, ils sont deux. Il y a deux mobs qui représentent le boss, en fait. Oui, mais là, je parlais de Matugaru. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi tu disais qu'il y avait deux Matugaru alors qu'il y avait trois monstres. Okay. Donc là, il est vénère. Ah oui, le give life, il va falloir faire un peu plus tôt que tout à l'heure. Oui, il faut pas que j'arrive à en mêler dessus là, sinon je meurs. T'as pas une commande pour le faire reculer là-dedans là ? J'ai un sort pour ça, mais on va voir, tu mets un Xelor dans le combat, ça marche. On va rester calme et on va lancer traverser. Ah oui, ça c'est bien ça. Voilà, pour s'enfuir. En enlevant des PM au passage. Maintenant le concept du boss. Donc nous avons deux boss en fait. Mm-hmm. Et le système c'est que quand il y en a un qui est plutôt à distance et qui va être peureux, il y en a un qui va plutôt être en mêlée et qui va être agressif. Et quand j'en attaque un, alors je sais plus si ça a été conservé ça, donc je vais vérifier en direct. Alors quand j'en attaque un, alors systématiquement ils vont être chacun leur tour être invulnérables à distance ou en mêlée. Quand j'en attaquais un qui est invulnérable à distance et que je l'attaque du coup en mêlée, vu qu'il est invulnérable à distance, mm-hmm. ça va changer immédiatement son invulnérabilité. Donc là, je sais plus lequel est quoi. Tu veux pas regarder dans les buffs ? Voilà.
Donc là, il était invulnérable en mêlée. Donc si je le réattaque, il suit maintenant 0. Il est invulnérable à distance. Donc ah ouais, il suit donc 0. Il faut constamment. Donc je vais pouvoir l'attaquer en mêlée. Sauf qu'il y en a un qui vient à ton cac et l'autre un qui reste qui à s'en distance. va. Donc tu peux alterner les deux assez facilement finalement. C'est possible, sauf qu'en fait, ça ne change pas l'invulnérabilité du second quand j'attaque le premier. Ah d'accord. Ah oui, donc c'est oui, effectivement, Ensuite, tu peux pas tricher comme ça. oui. Je Et pensais là, que leur je vais invulnérabilité était mourir. lui. Alors, je vais cancel fight avant de wipe, histoire de rester sur la map. Parce que l'autre était à proximité de moi. Il y en a un qui attire, il y en a un qui repousse également. D'accord. En fait, ils ont des effets assez opposés. Et bah, c'est à peu près la seule chose à retenir sur le combat, c'est qu'il faut faire attention. Une fois qu'on en attaque un en mêlée, la fois suivante, il faudra l'attaquer à distance. D'accord. Et évidemment, quand j'en attaque un, l'autre subit exactement le même nombre de dommages. Donc en fait, En partagé ou pas? oui, non, non, ils Non. sont Donc en fait, splash. ils ont que 4000 points de vie. Donc en gros, non, ils ont 8000 PV, c'est-à-dire que Oui, j'enlève. mais enfin, ils ont pas 16 000 points de vie, ils en ont 8000. C'est Voilà, ça. c'est ça. Il Tu n'y a fais que 8000 1000 points points de de dégâts dégâts, à tu tues enlever. les deux. Ouais, ok. Absolument. Il y a déjà un autre concept comme ça dans le jeu, je sais plus pour quel boss. C'est la Moucham, mais il y a Cham aussi qui fonctionne un peu comme ça. Mais la Moucham, c'est des dommages partagés Ouais. entre tous ces. Donc c'est un Ah début mais de non recharge mais de moi je 100 pensais balles. à la doublure en fait. Mais effectivement Et il y a la la doublure c'est doublure partagé. également, Doublure c'est partagé donc c'est pas tout à fait pareil. qui est également partagée. Mais comme elle divise sa vie par deux au final ça revient au même principe. Voici pour ce boss. Je sais pas s'il y a grand chose d'autre à dire. On peut peut-être du coup expliquer peut-être d'autres fonctionnements de sort Upper Mage. Par exemple, le sort Bouclier élémentaire, qui est un sort assez spécifique, qui va me donner des résistances. Et quand un monstre ou un joueur va m'attaquer, quand quelqu'un va m'attaquer, en fait, je vais perdre 5% de résistance dans l'élément d'attaque. D'accord. Donc en gros, Mais si tu subis l'ennemi. plus de 5 sorts, Oui, ça annule mon ça annule bonus. ton truc. Mais l'ennemi va, là on a vu, subir l'état élémentaire dans lequel Ah. il m'a attaqué. Donc Pourquoi par je vois moins exemple, 15 là, résistances? C'est c'est le parce que sort du boss, ça? c'est son D'accord, sort ok. lui. Par exemple, là, Hush Galèche m'a attaqué feu. Du coup, il m'a enlevé 5% de résistance feu. On peut le voir, j'ai 35, ce qui est 5% de Ouais. moins que les autres. Et en parallèle, lui a récupéré l'état feu. Et ce qui fait que bah, je Ah vais ouais, d'accord, immédiatement donc ça pouvoir l'ennemi. l'attaquer dans l'état terre, par exemple. Mais il me semble qu'il faut que je le fasse en mêlée. Au hasard. Bien. Puis après, il faut que je repars à distance pour attaquer feu. Et du coup, ça a augmenté les dégâts de mon trait ardent. Ouais. T'aurais pu aller en Diago pour montrer tes gros dégâts à la hache. Ah oui, mais Aussi. non, parce que c'est ligne par ligne. Donc si Oui, t'as c'est des ligne dégâts par ligne. multilignes, t'es un peu. Non, Voilà. effectivement, ça marche moins On bien. va pas dire le mot, mais. Ça marche moins bien. Donc voilà pour ce boss-là. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de l'Uppermage ou sur les boss qu'on donne, je regarde le chat et n'hésitez pas, je les poserai. Il fait semblant de regarder en vain. Ouais. Non mais qu'en fait quand je regarde en face, je regarde le chat. Quand je regarde à droite, c'est parce que je comprends pas ce qui se passe à l'écran, donc je regarde pour comprendre. Normalement, si je clique ici, ah, c'est fantastique. On te dit le chalet Rox, il va tenir 5 minutes. Sauf si je me donne mes sorts de cheat. Oui. Je pense que je sais ce que je vais faire parce que ça va être un peu compliqué de vous expliquer de mourir à la fois. Imu. Imu sans cooldown. L'ancienne Imu du Feka. Non, même ça risque d'être compliqué, tu Ah vois. oui, parce qu'il y a des one shots. Je connais pas les tool boss. Je sais que beaucoup l'ont farmé, un peu trop, jusqu'à mardi dernier. Ouais, Mais passons ce que. passage. Mais ouais, je connais pas du tout. C'est une map complètement vide en fait. Il y a aucun obstacle. Alors, Il y a un absolument. système de. Mais en fait, c'est comme dans le film. C'est le système des numéros qui correspondent à quelque chose. Oui, et Chaque on a case. le joli sablier qui veut dire que le serveur lag. Bam! Et c'est pas Chalet, ma il veut faute. pas. C'est pas ma faute. Non. Donc, c'est pas notre faute. Et si jamais tu vois que ça bug trop, tu cliques sur Dofus Jeu sur le stream. Oui, mais je ne pense pas Je pense que qu'il va falloir ça. décorréler. Ah! Oh, bien! Petit moment de pression. Donc. Oula! Les obstacles qui sont Hop. apparus là. Ils étaient pas au départ. Tu fais quoi en fait? Ah oui, d'accord, corrup infini. Ah, c'est sympa comme sort ça. Voilà! C'est. Comme ça, je suis tranquille. Mais ça s'habille malheureusement.
Mais donc, bon, du coup, tu peux expliquer le système. Ça, le ça système dit, du chaleuil, voilà. On a tout notre temps maintenant. Le boss. Alors, comme vous pouvez le voir déjà, la cellule n'a pas d'obstacle. C'est des invocations. Enfin, la cellule. La carte n'a pas d'obstacle. Et en fait, ce qui va servir d'obstacle, c'est ces dés. D'accord. Je vais plutôt le montrer avec la souris, ce sera plus efficace qu'avec mon doigt. J'ai même pas vu que tu avais fait ça. Effectivement. Donc voilà, les dés en fait vont apparaître au début du tour du. D'accord. À la fin du tour du chaleuil, ils vont disparaître au début de son tour. Et tu peux les tuer. Je peux les tuer, donc c'est des obstacles. D'accord. Qui sont destructibles. Bon, ils sont un peu compliqués à détruire. Il y a quand même 2000 points de vie, ouais, c'est un peu. Alors, on va pas se le cacher. Surtout avec des sabliers. Bah, surtout que notre serveur local est pas, rendu super impossible. Efficace. Ouh là là, il aime pas là, il est pas content là. Oui, en fait, à chaque fois que c'est parce qu'il n'y a pas d'anime quand il est attaqué, donc du coup, il cherche à avoir une anime. Okay. C'est uniquement en local. D'accord. Donc je vais arrêter de les attaquer parce que ça va faire ça en boucle. Donc en fait, le chalet, il va poser des cellules. Je ne vais pas vous donner tous les secrets du boss. Je pense que de toute manière, il y a déjà les astuces qui sont sur le net. Ouais. Mais ça va énormément dépendre des cellules sur lesquelles il va se poser lui-même. C'est-à-dire que à l'endroit où il va être, ça va poser des obstacles. Comme vous pouvez le voir sur... Attends, une fois de plus, je ne vais pas me traiter avec mon doigt, mais avec la cellule. Avec la souris. Donc là, sur certaines dalles, il y a des numéros. En fait, sur toutes les dalles, il y a des numéros. Ouais. Et là, c'est les 5 qui sont. Et les monstres, ils ont un état au-dessus de leur tête. Donc, vous pouvez voir. D'accord. Là, ils ont un petit état. 1, 3, 4 et 5 qui indique en fait sur quelle cellule ils sont. Alors, cet état est rafraîchi à la fin du tour de chaque quantité, pas pendant son tour. Mais pourtant, c'est bien c'est pas l'état qui est au-dessus de leur tête qui est pris en compte. C'est vraiment la cellule sur laquelle ils sont. D'accord. Ok. C'est pour juste éviter un problème de surcharge. Ah oui, par exemple, quand il bouge, quand il bouge, si à chaque fois que je bouge d'une cellule, ça change, ouais, ça devient un peu pénible. Ça encore plus quand peu. Je suis poussé ou genre de truc. Ouais, bien sûr. Donc du coup, ces monstres, ils ont un état et ça va être quasiment un identifiant. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sur l'état 1, s'il y a d'autres entités qui sont aussi sur une cellule 1, ça va générer des effets. Donc pour les monstres, si j'attaque un monstre qui est sur une cellule 1, ça va par exemple soigner tous ses alliés qui sont sur une cellule 1. D'accord. Du même montant de dommages. Et taper tous tes ennemis, tous tes alliés à toi qui sont sur une cellule 1 aussi. Voilà. Le boss, quand il termine son tour sur une certaine cellule, ça va faire apparaître des dés et des glyphes blancs sur cette même cellule. Donc là, le glyphe blanc, si je termine mon tour dessus, en fait, ça va me soigner. Donc vous ne le voyez pas, mais je peux vous le montrer. Par exemple, si je m'enlève 2000 PV... et que je termine mon tour dessus, je suis soigné de 1362 points de vie. Donc c'est quand même un soin assez conséquent. C'est quoi un pourcentage, c'est du coup 1362. Il me semble que c'est 20%. 20%, c'est assez énorme effectivement comme soin. Et là du coup il faut que je les fasse. Quand on a 4000 points de vie avec un personnage normal. Parce que des nouveaux challengers sont arrivés. Ah oui, recorrup. Voilà, c'est fait. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a des cellules noires. Donc là ça fait directement écho au film. C'est-à-dire que si vous allez sur les mauvaises cellules, vous allez vous prendre un petit électrochoc. Ah oui. Et c'est instantané en plus. C'est instantané. Et de l'érosion, mais l'érosion est uniquement valable si vous restez sur les cellules. Donc là, D'accord, on le perd. Là, et par exemple, il n'y a plus d'érosion. Mais elle est comptée au moment où on prend les dégâts quand même. Oui. Donc là, ouais, t'as quand même pris 500 points de vita max gratuitement. On peut le voir, j'étais à 4300 et je suis passé à 4900. Et c'est pareil, c'est basé sur la vita max les dégâts. Non, les dommages sont fixes, c'est dans un élément aléatoire. Et en D'accord. fait, la condition d'apparition de ces cellules noires, c'est en fonction évidemment des cellules sur lesquelles sont les monstres. En fait, s'il n'y a aucun monstre sur un certain numéro, ça va faire apparaître une cellule de mort sur ce numéro. Ok. Les dés ne sont pas pris en compte, les invocations des joueurs ne sont pas pris en compte. Quand je dis monstre, en fait, c'est monstre plus joueur. Ouais. Entité. Voilà. À part ça, il y a d'autres petites mécaniques que vous pourrez découvrir. Je peux parler rapidement des monstres. Les monstres, ils ont un gameplay un peu spécifique, c'est-à-dire que chacun va... va avoir un bonus. En fait, ils ont que deux sorts, contrairement à la plupart des monstres du jeu qui en ont trois. Et en fait, ils vont avoir, ils ont un sort qui s'appelle la roue tourne, qui va leur donner un bonus à chaque tour de jeu.
Le bonus n'est pas aléatoire, il est fixe, c'est-à-dire qu'au premier tour, alors premier tour de jeu, ils vont avoir un bonus, alors second tour de jeu, ils vont avoir un autre bonus, alors troisième D'accord. tour de jeu, ils vont avoir un autre bonus, et après, ça va cycler. Donc ça va revenir à D'accord, leur c'est quand même bonus un de leur cycle. premier Donc tour c'est de jeu. aléatoire à chaque combat, mais une fois que le cycle est dessiné, on le connaît. Non, en fait, c'est fixe. C'est fixe, même quand on refait le combat, c'est toujours la même C'est chose. toujours la D'accord, même ok. chose, c'est toujours le même cycle. D'accord. Et quand et un des bonus, ça va être notamment, en fait chaque monstre va avoir des bonus différents, sauf que tous vont avoir à un certain moment un bonus de 100% de coup critique. Donc à D'accord. ce moment-là, ce tour-ci, ils vont systématiquement faire des coups critiques sur tous leurs sorts. Et la spécificité, c'est que leurs sorts en coups critiques sont différents. C'est-à-dire D'accord. qu'ils vont générer des effets supplémentaires. Donc par exemple, le soldat de fortune va appliquer l'état pacifiste en coup critique, alors qu'il applique l'état insoignable hors coup critique. Cet état insoignable d'ailleurs sur le soldat de fortune est désenvoûtable, ou en allant sur une cellule blanche de mémoire, ou en se faisant soigner, je crois. D'accord. Sinon, c'est pas désenvoûtable par un debuff Non, classique. c'est l'état pacifiste, pardon. L'état pacifiste, j'ai confondu. Donc c'est l'état pacifiste qui donne s'il est pas, s'il fait pas de coup critique, et cet état pacifiste est L'état retiré si insoignable. vous allez sur une cellule blanche ou si vous vous faites soigner, D'accord. de mémoire. Je crois que c'est ça. Vous savez quoi, D'accord, je vais le d'accord. laisser jouer et comme ça on saura. Ah non, il y a des nouveaux monstres qui sont apparus. Corrup, corrup, vite! Ils ont des PB automatiques, les rois joueurs. Alors voilà, eux, leur bonus du premier tour, c'est qu'ils ont 2000 points de D'accord, bouclier. ok. Donc lui est Et ces apparu avant, buffs-là ne lui vient sont pas d'apparaître. débuffables. Ils sont pas désenvoûtables. D'accord. Et donc lui, si je le laisse. Lui, je vais laisser jouer. On va voir ce qu'il me fait. Les cellules roses, comme je répétais, c'est pas lié au donjon. Enfin, c'est lié au modificateur dimensionnel. Donc c'est l'état insoignable en fait. Mais c'est parce qu'il fait des coups critiques. Hein. Donc en coup critique, Donc il c'est applique l'état insoignable en coup critique insoignable et qui n'est pacifiste pas en fin normal. désenvoûtable. Pas désenvoûtable, donc pas comme celui de la mégère par exemple, qui Non. l'est au vortex. Non, non. Ok. Et l'état pacifiste qui lui peut être tiré si je me soigne ou que je me mets dans un cliff Tu blanc peux qui y soigne aller aussi. par Donc exemple. par exemple, Hop, si je on me mets va là, voir, j'espère que ça ça va marcher. confirme. Voilà, je peux faire des dommages. Mais bon, ça sert un peu à rien parce que c'est en fin de tour. C'est juste, D'accord. si vous avez des glyphes ou des pièges entre les deux ou des bombes, du coup, ça permettra de faire des dommages avec. Voilà. Donc pour ce Ok, boss là. pour le boss, ça marche. Peut-être Alors qu'on vous voyez pourrait. qu'il est invulnérable aussi. En Ah fait, oui, on n'a pas parlé du boss, il oui. perd son état invulnérable à partir du 21e tour, qui est D'accord. remplacé par un état inébranlable, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être poussé, Ça vient de changer là, ça d'ailleurs. Maintenant, c'est ni attiré. inébranlable. Et du coup, le seul. Ouais, c'est ça, c'est juste poussée, attirance. Mais avec l'Uxalor, ça fonctionne. Tout ce qui est échange de Avec place le panda, ça fonctionne. fonctionne. Portée lancée, ça Avec l'Uber Mage, ça fonctionne. fonctionne, on Le vient de le voir. permage, ça fonctionne, sauf les poussées et les attirances. Ouais. Et il gagne de 200 d'esquive PM, donc il peut Il a plus. combien de base? Il en a 100 Ouais, 300 c'est compliqué. seulement. 300 c'est compliqué. Voilà. D'accord, ok. Et donc il perd son état invulnérable. Ensuite, c'est juste, il a pas de buff particulier qui nous empêche de le taper à certains tours ou des choses comme ça. Non, non. Ça devient Non, un putsch seulement. qui tape fort et faut le gérer quoi. C'est ça. Ok. Sachant que lui, il a ses propres sorts aussi, qui font des effets particuliers. Donc là, par exemple, si je le déplace, je vais essayer de le pousser, si je m'en sors avec le permage encore. Par exemple, si je le déplace sur une cellule 2, il faut que j'attaque haut, puis que je lance polarité. Ça va l'attirer. Oui! Quel suspense! Donc là, son état va être Ça a mis à jour à la marché. fin du tour. Il passe Et donc là, en sur une fait, cellule les 2. dés et les cases blanches vont bouger, si je Du comprends bien. coup, absolument, les dés et les cases blanches vont se déplacer une fois que son tour va arriver. Hop, hop, la vague pop. Et ensuite, les dés bougent. Effectivement, ça fait une configuration de map différente. Et vu Mais en qu'il n'y fait, a c'est un plus peu. personne sur des cellules 5, ça a fait apparaître des cellules noires sur ces D'accord. cellules. Et c'est un peu au joueur en fait de choisir le combat qu'il veut faire en fait, s'il veut mettre le boss avant le 21e tour sur telle case pour avoir telle configuration de placement, d'aider, etc. C'est Parce plus ou qu'il moins ça. Évidemment, crée ses obstacles en fait. il va être contraint par les déplacements du monstre, parce que c'est quand même à la fin du tour du boss, donc du coup il va d'abord se déplacer, il faut vite que je Ouais. fasse passer son tour.
Mais il peut contraindre un maximum les déplacements du boss, d'ailleurs c'est ce que les joueurs font, pour faire en sorte que les dés apparaissent là où ils veulent. D'accord. Ok. Ça marche pour le chalaï. Voilà. Bon, je suis pas prêt de le passer. Moi non plus. Toi non plus. Au moins c'est sincère. Qu'est-ce que du coup? Ah oui, si, moi j'avais une question à te poser du coup par rapport à la dimension, par rapport aux items. Les nouveaux items, est-ce qu'il y a besoin, est-ce qu'il y a des conditions pour les porter? Est-ce qu'il faut faire les quêtes? Est-ce qu'il faut battre le boss obligatoirement? Non, pour les porter, il n'y a absolument aucune condition, si D'accord. ce n'est de les obtenir et de Ok. remplir les conditions pour les armes, Ouais, les armes, c'est-à-dire ouais. Oui. c'est des conditions de Les caractéristiques caractéristiques, uniquement. ok. Il n'y a D'accord. pas de Il n'y a condition rien de de quête ou quoi que ce vaincre soit. un boss, non. Ou Il n'y a vaincre pas le de quête. boss. En revanche, pour les crafter, c'est comme pour les autres donjons, les précédentes dimensions, c'est-à-dire qu'il va falloir de l'oricore, D'accord. Mais donc il qu'on peut obtenir dans s'obtient. d'autres dimensions qu'on peut avoir en stock Oui. pour crafter ce genre Oui. de choses. Ok. Est-ce qu'on ferait pas justement un petit tour des nouveaux items pour montrer un peu ce qui traîne, si tu peux les générer? Je vais pas avoir besoin de les générer. Donc comme vous pouvez le voir, il y a Ah deux oui, t'as la superbes recette. anneaux jaunes. Oui. Donc là, on a le tour des nouveaux items. On a la panoplie du Valet Vénard, qui est une panoplie agilité plutôt Ouais. portée sur des résistances de poussée avec de J'ai lessive vu que verte. les roublards apprécient pas mal hein, par rapport au dos Donc fixe très élevé. forcément, elle a des dos fixes super élevés et un malus de coup critique, qui fait que c'est plutôt une panoplie axée sur les dommages non coup critiques, bien qu'elle reste jouable avec des dommages critiques, mais forcément moins efficace. On a la panoplie d'Acham, qui elle est une panoplie tri-élément terre-feu-air de mémoire. Non, air-feu-eau. RFO, oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je m'en sors. Qui elle Et qui comporte une possède arme, du c'est retrait pas de commun. PA, oui, elle possède une arme et elle est plutôt axée coup critique. Donc du coup on a une arme à 3 lignes de dommages pour profiter un maximum des dommages coup critiques. Et un peu de fuite sur le total. Ok. Je vous parle pas de toutes les combinaisons parce que sinon on n'a pas fini. La panoplie du Chaloeil qui elle est totalement multi-élément, donc dans les 4 éléments. La cape ne possède pas de sagesse pour ceux qui l'auraient pas vu. C'est une strigide avec des récrites? Elle fait des résistances coup critiques. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette panoplie. Non, c'est une panneau multi-éléments qui donne fuite et rescrite, mais qui donne moins de puissance par exemple que la strigide. Voilà, elle est Donc elle fait. globalement. Ça fait une différence en fait, on a moins de puissance, mais on n'a pas les malus de la strigide qui pourraient Il n'y a être. pas les malus et ça donne des stats, contrairement à la strigide qui fait de la puissance. Et donc les stats, ça augmente l'initiative, Ça augmente et l'initiative, ça permet l'agilité, de ça permet la remplir fuite les. tacle, vous pouvez soigner avec via Et ça permet de intelligence. remplir les conditions pour les équipements Oui aussi. aussi, effectivement. On a la panoplie du roi joueur. Qui est Donc assez là, intéressant celle-là, c'est du terre-feu ouais. Avec du retrait PM. qui possède du retrait PM, donc une panoplie dont les Kra, Inutrophes et Sadida, je pense, Alors, Anutrophes, Sadida en malus suite, rafale, c'est mais. plus compliqué. Je sais pas. Les trois items donnent du malus suite? Il me semble. Et voilà, j'ai supprimé, j'ai fermé la fenêtre. Tout va bien. Preset associé. Ça dépend des conditions, mais par exemple, en PVM, on n'a pas Oui, nécessairement en besoin PVM, d'un non. C'est vrai que j'ai maximum cette de vision un fuite. peu fermée Donc, du qu'il faut coup, que j'ouvre. la panoplie devient complètement Oui, viable tout à fait, dans dans ces ces cas-là, conditions. effectivement. Et dans certaines conditions en PvP également, si les classes auxquelles on est associé peuvent Oui, mais ta clé. contrebalancer Qu'on n'a pas forcément le d'énormes malus de tacleurs en fuite. face, effectivement. Ou par exemple, si on n'a pas de Pandawa ou de SRAM en face de soi. Voilà, donc c'est une panoplie axée plutôt longue distance, avec du malus de fuite pour contrebalancer le fait qu'elle soit quand même très efficace à longue distance, avec du retrait PM, des résistances coup critiques et de la portée sur certains items de mémoire. Un PO Un PO sur sur la la coiffe coiffe et un et PO un sur les PO bottes, ouais. sur les bottes, ce qui est plutôt C'est assez une rare bonne sur les moyenne. panneaux triple item d'avoir deux PO. Sachant que maintenant, beaucoup de panoplies aussi se jouent avec deux items par rapport aux nouveaux trophées qui ont été implantés il y a presque un an maintenant. Pas loin, non, Potentiellement, un oui. peu moins encore. Mais du coup, ouais, ça fait en deux items, on a le parté. On a la panoplie de la Dame du Hasard, qui est une panoplie Intel Chance, donc Qui est un plutôt également peu. axée sur la fuite et du retrait PM. Ouais. Donc contrairement à la panoplie Celle-là du qui peut roi joueur, intéresser grandement les Zenus une nouvelle fois et les elle Sadis. devient intéressante pour du jeu axé sur la fuite en fait et du retrait PM. Par contre, du coup là on n'a pas de portée, il me semble, sur cette panoplie de bonus de PO. S'il y en a un là.
Et en termes de... Une invoque importée, ouais, c'est déjà mieux que certaines panoplies hein, qui ne fournissent... Elle fait des dommages critiques en plus, donc très efficace pour tout ce qui est dommage... tout ce qui est dégâts. Pour tout ce qui est faible dommage de base, mais faible coût en PA. Donc voilà, les sorts comme lancer de pièces, feu de brousse par exemple, sont très bons là-dessus. Feu de brousse, je vois qu'il y a pas mal de dommages fixes aussi sur les bottes, 15, je sais pas ce qu'il en est sur les autres, mais... On a 15, 12 et 10. Et 6, ouais, donc ça se pèse un petit peu. Il y a peu de dommages fixes. Parce mais quand il y a du dommage critique, ça compense. Si on arrive à un haut taux de CC, on fait quand même beaucoup de dégâts, effectivement. Ça aurait été problématique. Donc on a fait le tour des panoplies, il me semble. Armes, donc il reste les armes. On a le sceptre du roi joueur qui est ici. Qui n'a pas de condition, on en a parlé tout à l'heure. Qui n'a pas de condition, c'est un item mono-élément. Il n'y a pas grand intérêt à lui rajouter une condition en plus. Oui. Je veux dire, si quelqu'un qui veut jouer feu, bah l'équipe. On va pas l'empêcher de. Si vous tapez avec un sceptre du roi joueur, choisir un des choix qui est probablement le moins viable pour lui. C'est vrai. Donc c'est un item qui a du vol de vie et qui attaque en zone. Le bon truc à savoir, c'est que c'est un item à 3 PA, donc 2 utilisations par tour pour un bâton. Mm-hmm. Ce qui le rend potentiellement assez intéressant pour ses gros vols de vie en zone. Ouais. Et ses bonus sont plus que corrects, on va dire. Il y a un peu tout ce qu'il faut là-dessus. En panneau... On a des dommages critiques, des dommages fixes, du retrait PA, notamment pour les Xelors, par exemple. Du retrait PA, de la fuite, des résistances. Je ne fais pas le listing, je pense que vous pouvez le voir pour vous-même. C'est pas un CAC avec lequel on peut taper énormément, mais en termes de bonus, il n'y a pas beaucoup de CAC qui le surpassent, effectivement. La hache du chaleuil, qui de son côté est plutôt sur du tri-élément. Donc on a toujours un critère d'équipement pour ce genre d'item très axé multi-élément. Elle fait 15 de fuite. Ouais, je crois qu'elle fait 50 d'agi. Non, elle a pas de 50. Ah bah non. tu m'induis en erreur. Donc elle fait 15 de fuite, plus 15 en prospection, voilà. Ce qui est pas mal. des dommages critiques, des coups critiques. Voilà. Pas grand chose à dire sur cette arme. C'est une hache, donc du coup elle profite des contraintes de lancer des. En diagonale. Au corps à corps ou en diagonale. Du lancer en diagonale pour une hache. Elle a un coup en PA raisonnable, 4 PA, pour des dégâts assez élevés, mais on reste évidemment sur du tri-élément, ce qui limite un peu sa puissance par rapport à une arme mono-élément. Et le dernier, c'est l'arc du chaleuil. L'arc du chaleuil, qui lui est full terre, avec un gros vol de vie en neutre, une PO de 3 au minimum, qui est passée à 3 pendant la bêta, un gros malus de tap. C'était pas comme ça la bêta, je crois. Il était à moins 20, il est passé à moins 30. Ah oui, il était quand même à moins 20, d'accord. Ouais. Et des bonus somme toute assez raisonnables. Ouais, donc il avait 20 puissance en bêta, il est passé à 80. Il est passé. On a retiré le malus de puissance, tout simplement. Le bonus de puissance, absolument. Il a un petit bonus de portée. Enfin, en gros, c'est un arc, quoi. C'est quelque chose qui permet de taper à distance. On tacle pas avec, mais on a du des coup, il rend assez vulnérable en mêlée. Voilà, ok. D'accord. Ça marche. Pour 5 PA. Il y avait un et bonus critique de combien de dommages terre plus 6. De 6, ok. Qui reste assez bon. Ouais. D'armes terre. Ça fait quand même un vol de vie en crit qui est à 22 à 26. C'est la régénération est correcte. Oui. Ok. Donc j'ai noté une question sur le chat pendant que tu faisais les items. Donc avec la sortie des nouveaux trophées, en fait, vous aviez plutôt. Inciter les gens à plus porter des panoplies et donc à abandonner un peu le 12-6-6, c'était un peu 12-5 ou 11-6. Ouais. Et du coup, là avec ces nouvelles panoplies, il y a plein de combinaisons qui permettent de nouveau avoir ce mode. Mm-hmm. Alors que vous aviez dit que c'était exprès que vous aviez enlevé ce mode 12-6-6 qui vous paraissait pas logique. Donc pourquoi tout simplement avoir être revenu un petit peu sur ce choix avec la sortie de ces items? En fait, il ne s'agit pas de revenir sur ce choix. Le choix qui a été fait à la base, c'est ne pas permettre les combinaisons de deux panoplies quand ces combinaisons surpassent absolument tout le reste. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est avant toute chose qu'on ait un maximum de diversité dans le choix des panoplies, mm-hmm. que les joueurs se sentent pas obligés de choisir une panoplie pour être efficace. Évidemment, quand on tend vers l'optimisation, on tend vers un build spécifique pour un rôle. Pour un rôle, ouais. Donc souvent c'est pour une classe, pour un rôle, on reste quand même... Mais le but c'est de ne pas avoir à jouer le même stuff sur tous les rôles, quoi, sur tout ça. Oui, et à la fois permettre, si la situation s'y prête, de pouvoir choisir
simplement un autre équipement sans que on se sente beaucoup moins efficace. Quoi. On considère que une grosse partie des équipements sont viables à l'heure actuelle, c'est-à-dire que si vous voulez jouer d'une certaine façon, vous pourrez, on a suffisamment de diversité. Ce ne sera pas forcément le plus efficace dans toutes les situations, mais c'est un mode de jeu qui sera viable. Ah ouais. Donc on reste là-dessus. Ce qu'on constate, c'est que depuis l'implantation des nouveaux trophées, en fait, on est beaucoup moins bridé dans le choix des stuffs. En fait, on est moins bridé au niveau des panoplies et du choix des slots des panoplies. Oui. Désolé si je tourne pas suffisamment la tête par là, mais j'ai un fil. t'inquiète complètement. Alors, faut aussi que tu parles aux gens, donc c'est très bien que t'aies la tête. En même temps, ça m'oblige à regarder devant moi. C'est comme les chevaux qui ont des œillères. Moi, j'ai un fil qui m'empêche de tourner la tête. C'est vrai que l'avantage de ces nouveaux trophées qui nous forcent à porter que deux items d'une même panoplie, c'est que d'un combat à l'autre, en fait, on peut à tout moment changer un ou deux items sans que le build change complètement d'orientation, mais juste pour avoir un peu plus de voilà. stats. En fait, ce qui nous pose souci principalement avec les panoplies, c'est que ça fige tout. Il y a 6 items quasiment qui sont clac-clac. Voilà. Et donc, ce à quoi on a voulu remédier via l'implantation des items baleines, via l'implantation des nouveaux trophées, et via des modifications sur les panoplies déjà existantes, notamment sur les bonus de panoplies qui sont déjà suffisamment intéressants pour deux objets. Ça nous permet d'avoir une diversité en termes d'équipement bien plus grande, et donc on constate que jusque là ça a plutôt bien marché. Bah oui, clairement. Et donc du coup on se bride moins quand on fait une nouvelle panoplie sur le choix des slots, c'est à dire que des fois il y a des combinaisons de deux panoplies qui nous semblent effectivement sortir du lot, mais si on les met en comparaison de ce qui est déjà possible à l'heure actuelle, on se dit en fait ça ne fait que rivaliser avec l'existant sans le supplanter. Et donc d'accord. Du coup on considère que ça reste un choix viable. Donc bon, par exemple il y en a qui pourront citer la panoplie du Valet Vénard combiné avec une Alistair, mais ces mêmes personnes se rendent compte qu'il y a quand même énormément de défauts à cette combinaison. C'est bien, c'est viable, mais ça exclut pas tous les autres modes de jeu. C'est très intéressant pour avoir une grosse esquive PA, une grosse esquive PM dans un mode full agi, mais il y a des défauts, à commencer par les résistances, qui sont relativement basses. Ok, d'accord, très bien. Question très pertinente. J'en ai relevé une, je me suis pas trompé. Ok, donc il est 48, donc on va vous montrer les nouveaux thèmes, enfin le nouveau thème. Donc on a jusque quand On a jusqu'à, normalement on a 12 minutes, mais bon, si on prend moins de temps ou plus de temps, après, à 18h normalement on passe aux questions, et à 18h45 on a nos deux CM d'Office le film qui viennent nous faire une petite intervention sur le film et répondre à vos questions aussi. Entendu. On va s'attaquer au havresac. Donc on peut pas aller dans un havresac depuis un donjon, hein, vous auriez pu le savoir. J'ai essayé quand même, on sait jamais. Voilà, alors là faut pas qu'on fasse de bêtises. Attention à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc là faut cliquer sur la petite maison. Ah, pardon, j'ai shooté le micro. Ah, je sais pas si ça vous a explosé les oreilles. Je n'ai rien fait du tout. Alors, ici nous avons le havresac de la Saint-Balotin, et le problème c'est que ce que j'avais sauvegardé avant n'est plus sauvegardé. Les paramètres là ? Ouais. Et du coup tu peux pas y aller ? C'est ça le problème ? Genre. Ouais, genre ça ? Ouais, genre ça c'est bien ça. Donc en fait on peut pas vous montrer ça parce qu'il y a des thèmes de havresac qui ne sont pas encore sortis. Et du coup on peut pas vous le montrer. Pas encore annoncé, ou en fait qui sont simplement en train d'être testés. Ils sont là depuis un moment, mais bon, on sait pas trop si on aura suffisamment de matière pour les sortir et tout. C'est uniquement des recherches. Donc, comme on vous a dit, c'est une version locale, donc il est possible que vous voyez des trucs que vous ne devriez pas voir. Donc, je vous invite à fermer les yeux, sinon les Men in Black viendront bonjour avec leur petit stylo. Voilà. Alors, sans la grille, c'est mieux, hein. Mais après, qu'est-ce que tu veux que je lui montre sur les havresacs ? Non, mais juste voilà, montrer un peu les décorations qu'il y a. Je vous montre un petit peu. Donc, moi, j'ai pas trop encore trop testé le système de havresac, mais en gros, on a un nouveau thème avec des cœurs partout, concrètement. Ah, ça c'est très beau ça ! Oui, c'est des toilettes. C'est des toilettes en cœur. Il faut que tu cliques dessus et que tu. Je le fasse glisser, ok.
Les toilettes en cœur, c'est très non, bien en fait, ça. t'as juste à cliquer une fois dessus et après c'est bon. Ah oui, d'accord. T'as pas besoin de rester appuyé. Enfin, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut faire. Alors, il y a des lits. Alors, ça, c'est doubles. Les toilettes très jolies. Y a pas de lit simple pour la Saint-Valentin. Quand même, on notera. C'est que des lits doubles. Oui, bah, que des forcément. lits doubles. Et les trois ont l'air similaires. Non, il y en a où les draps sont plus ou moins en vrac. Mais les trois, au pire, comme ça, on pourra voir. C'est une Saint-Valentin à 6, un concept. Ah non, il y en a un quatrième. Ah oui, celui-là, il est. Voilà, après vous faites ce que vous voulez pour la Saint-Valentin. Voilà, je après crois c'est pas. voilà, Pareil c'est la pour ce qu'il veut Saint-Valentin, aussi. bien sûr, bien sûr. Pardon. Et séparément. Oui. Donc ensuite, on a quelques petits trucs. Donc le tonneau, qu'est-ce qu'il fait là? On sait pas. Bon, le tonneau, il est partout en fait. Je crois qu'il est au mauvais endroit. D'accord, ok. Donc ça, c'est encore un petit problème de local. On a les petites fleurs, on a des commodes. Donc tout est rose. Hein. Si vous n'aimez pas le rose, ce thème-là, il n'est pas fait pour vous. Mais si vous aimez le rose, il vous est fait pour grave vous. Kiffer, quoi. Et qui n'aime pas le rose de toute manière? Ah oui, c'est clair. Et les petits cœurs, ça c'est un super thème. Bon, je crois qu'on ne va pas très bien le vendre celui-là. Enfin, alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? On a des parterres de fleurs, des. T'aurais dû faire un super trucs. Thème pendant les 10 minutes de préparation où tu mettais des trucs et que ce soit joli, comme ça les joueurs ils voient qu'on peut faire des trucs super cool avec. Mais ouais, là le problème c'est que moi je suis pas doué en déco d'intérieur en fait. C'est ça le problème. Mais ouais, je... moi non plus. En fait, partout, vous allez avoir pas mal de. En fait, il y a déjà eu des genres de concours en fait sur la bêta. Oui, je l'ai vu. Et donc du coup, vous pouvez avoir des rendus de joueurs qui ont fait des trucs super cool pour la Saint-Valentin. Qui sont sûrement dans le chat d'ailleurs. Qui sont sûrement dans le chat. Les joueurs ou les trucs super cool? Non, les joueurs qui l'ont fait. Oui, j'espère qu'ils sont dans le chat. J'espère. Assidus. Et bon voilà, nous on n'est pas les meilleurs pour parler de Havresac parce qu'en termes de déco intérieur, j'aurais dû faire venir. Je peux parler pour moi, mais je ne suis pas très bon. Tu peux parler pour moi aussi, t'inquiète pas. Donc là, je mets les trucs un peu en random total. Mais. On va peut-être déjà tendre Pupik et Mazura pour cette partie-là en fait. Peut-être. Ça fait des petits trucs très jolis. C'est pas le truc qui est sur la. Ah, il est super classe. Sur la toilette, non? Non, non, sur l'île de Tomaï, sur la plage. Oh, oui, c'est des genres de coraux. Ouais. Coquillages et crustacés. Vous voyez que c'est symétrique. Qu'est-ce qui est symétrique? Ouais, il y en a trois. Tout à ça, c'est symétrique. Ah, t'as fait. Non, je fais une symétrie. Il y a quand même un certain talent. Je pense que t'as du potentiel en décoration. Merci. Voilà, voilà. Voilà. Donc, ça, c'était la présentation du nouveau thème Havresac, du coup. Pour la Saint-Balotin, à garder ou à offrir. Hein, comment il s'obtient celui-là? 5500 green. D'accord. Je crois. 5500 green dans le Grand Bazar, du coup. Oui, absolument, dans le Grand Bazar. Très plutôt bien. Que parler du prix, parlons des choses importantes. C'est-à-dire que c'est un thème qui ravira absolument tout le monde en ces temps difficiles. Non, ok, je vais arrêter. Je suis pas un vendeur. Donc voilà pour le thème Saint-Balotin que vous retrouvez dans le Grand Bazar. Pour la période mais sûrement de la Saint-Valentin. Je suppose qu'il ne sera pas disponible. Ah, je ne sais pas s'il y a une limite. Eh bien, on va faire un truc de vendeur, on va dire. Allez le prendre maintenant parce qu'on ne sait pas. Peut-être que d'ici non, quelques c'est semaines. C'est pas bien de mentir aux joueurs. En fait, on n'en sait rien. Donc voilà, on ne sait pas pour ça. Mais en tout cas, il est disponible sur le Grand Bazar, ça c'est sûr. Et actuellement. Ah donc, oui, il est absolument il est disponible. Totalement disponible dès maintenant. Donc voilà. Ruez-vous dessus. Parce et que, si, voilà. vous, si on ne vous a pas convaincu par notre décoration d'intérieur, je vous invite à aller sur Twitter et justement de regarder un peu ce que les gens ont fait. Et j'en ai vu plein paraître sur Twitter. J'en tweeterai sûrement un à la fin du live pour vous montrer. Ou une et, dizaine. Ou une dizaine, voilà. Ou je vous enverrai vers le hashtag tout simplement où les gens les ont postés. Comme ça, vous pourrez voir les créations des gens qui sont bien meilleures que les nôtres. Bon, du coup, on va passer à la partie que les gens. Mais vous êtes marrant, mais comment est-ce que je peux vous faire vendre ça? C'est compliqué. Hein. C'est... Je suis pas là pour le vendre, on est là pour le présenter, on vous l'a voilà, présenté, le présente, il y a eu quelques petits cafouillages, mais voilà, c'est un très joli thème, hein. Perso, il y a des, j'adore. Il y a des chocolats, ils sont aussi gros que les lits. Après, il faut savoir que vous pouvez combiner ces trucs-là avec les autres thèmes de Havresac, et là, ça donne des trucs vraiment ouf, quoi. Oui, vous pouvez par exemple mettre juste un. Donc n'hésitez pas à en acheter 50, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre un bouquet de roses dans votre Havresac, juste en mettant des roses, sans que ce soit complètement l'ambiance rose Saint-Valentin. Totalement. Ok, bon, on va passer aux questions. T'es prêt? Ah oui, il y a ça répondre. Aussi. T'es prêt à répondre aux questions là? Je suis toujours prêt pour répondre aux questions. Parce qu'ils te ménagent pas dans le chat. Hein. Déjà sur Twitter, ils t'ont pas ménagé. Tu veux moi, pas sortir du Havresac? J'ai rien sauvegardé. Oh, attends. Mais de toute façon, on va enlever on va retourner. On va enlever la scène de toute façon. Ah bah parfait, c'est encore mieux.
On va mettre là. Alors ça va faire peur. Attention, t'es prêt? C'est ça surprend le premier jour. Ouf. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait gros. On va s'y faire. Ça fait gros, ça fait gros. Du coup, donc, si vous voulez poser vos questions, c'est écrit en haut. Vous pouvez y aller au hashtag DofusLive. Donc il y en a déjà pas mal qui ont été postées. Je vais faire toute la liste. S'il reste du temps ensuite, je retournerai sur le hashtag pour voir les questions qui sont posées actuellement. Alors, il faut savoir qu'on a vos pseudos, vos comptes joueurs, tout ça. Voilà. On fera le nécessaire. Si on peut même y aller en direct, si vous voulez. Hein. Et si vous êtes trop embêtant, Brice n'aura aucune pitié. Ouais. Voilà. Alors, je vais commencer par la première question. Donc, c'est Apprentity qui nous demande... il nous parle de la refonte Eniripsa. Et nous demande quel type de gameplay refonte soin as-tu si comme idée actuelle pour l'Eniripsa. Si je vois la question en même temps. C'est mieux. Comme ça, tu peux t'en rappeler si jamais tu n'écoutes pas. Donc, il nous demande en fait un peu à quoi est-ce que vous pensez pour la refonte Eniripsa, donc qui a été annoncée, que vous êtes en train de travailler sur 3 refontes. Mm-hmm. Donc, c'est pas encore laquelle sortira la première, ni quand. Mais il vous demande qu'est-ce que vous avez comme idée pour le moment pour l'Eniripsa. Si tu peux en parler. Bon, alors je vais parler de façon plus globale. Je suis désolé si je réponds pas direct. Enfin, si, je vais répondre à la question. Mais je vais répondre à d'autres questions, parce que je vais en profiter pour lire les autres questions. Donc la mise à jour d'avril, il y aura une refonte de classe, et cette refonte de classe sera celle Eniripsa. Ouf. Probablement. C'est-à-dire que pour l'instant, the spoil. On a the des. Spoil. Bah vas-y, laisse-moi parler. donc pour l'instant, on a des systèmes de jeu qui nous conviennent, qui sont faisables et qui dans les temps, sans trop déborder sur le reste du planning. Mm-hmm. Donc du coup, on part sur cette refonte Eni. Évidemment, d'ici avril, il y a 2 mois. Donc si jamais on trouve un problème sur cette refonte ou qu'on estime qu'une autre est plus envisageable que celle-ci, il est probable qu'on change d'avis. Mais pour l'instant, la volonté, c'est de faire cette refonte Eniripsa. Et je vais vous parler plus précisément de la refonte. Évidemment, je répète, je le dis tout le temps, on est en train de travailler dessus actuellement, donc rien, absolument rien n'est définitif. Donc la volonté qu'on a pour cette refonte Eniripsa, c'est de garder des systèmes relativement simples, des sorts assez simples d'utilisation. C'est une classe qui est étoilée 1 dans la création de personnages, ça reste. Voilà, ça le restera probablement. Mais de quand même rajouter en profondeur sur la classe, c'est-à-dire qu'actuellement on estime qu'il y a énormément de sorts qui font doublon. Il y a des sorts inutiles, on citera Modépine par exemple. Il y a des sorts qui sont pas forcément très pertinents. Qu'est-ce qu'il y a donc ? On te demande si les ennemis auront le sort de soin total utilisé tout à l'heure. Non. Non, pas comme ça en tout cas. Non. Non. Voilà, ça c'est dit. Donc on a des sorts qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font là. Mm-hmm. Donc ça concerne notamment mot d'envol. Il y a pas mal de choses à revoir, notamment les voies élémentaires. On a un seul sort de dégâts par voie élémentaire, moins interdit, mot blessant, mot vampirique. C'est peut-être la classe qui en a le moins en fait de sorts de dégâts. Oui, le sacri est juste après. Ouais. Et l'osa, voilà. Donc, bon. C'est pas pour rien qu'on refonde ces 3 classes en gros. Il y a un petit lien de cause à effet. J'avais pas remarqué ce lien entre les 3, mais effectivement. Et donc, ce qu'on souhaite faire pour cette classe, c'est mieux entourer son rôle, enfin mieux le marquer. C'est-à-dire, mm-hmm. Ça restera une classe de soigneur, l'Eniripsa, mais elle aura plus d'outils déjà pour faire des dégâts. Elle aura plus d'outils également pour soigner. Et en parallèle, on va potentiellement lui fournir des mécanismes plus intéressants. Voilà, des mécaniques qui permettront de donner un peu plus de profondeur à son gameplay sans le complexifier. C'est-à-dire qu'on va rester sur des trucs très simples. Plusieurs des possibilités déjà, c'est qu'on risque de se tourner vers 3 sorts par voie élémentaire. Donc un peu à l'image de ce qui a été fait sur le Power Match. C'est-à-dire que on aura des sorts qui seront assez typés, une sorte qui sera plutôt court distance, euh, une,
une voie qui sera plutôt axée courte et moyenne distance, par exemple, une voie plutôt axée longue distance, donc, et la troisième voie sera peut-être entre les deux. Donc on reste sur feu, eau et air, pas Pas de de voie water. terre rajoutée. Ah. Grosso modo, on reste sur un système enfin, qui se repose sur du soin, et c'est quasiment la quatrième voie de l'Eniripsa, quoi. D'accord. C'est comme ça Donc ça qu'on le fait quand voit. même 12 sorts annexes, ça fait 9 sorts de dégâts et donc 12 sorts annexes. Voilà, donc on aura 9 sorts de dégâts, sur 3 voies 3 voies élémentaires. élémentaires. Ce qu'on va faire normalement, c'est que chaque voie élémentaire aura la possibilité de soigner D'accord. à sa façon. C'est-à-dire qu'on va permettre, on va donner les capacités de soins à la voie eau et à la voie air. Mais d'une manière particulière. Mais d'une manière Pas du soin particulière. direct comme les la voit fait actuellement. J'essaie de suivre un peu le chat, mais c'est Ah compliqué en ouais, c'est la parlant. Alors galère. je vais faire comme si vous Et je n'existiez le suis et si je vois un truc pas. pertinent, je te ferai. Donc la voie eau, par exemple, va avoir la possibilité de soigner un peu à la façon de ce qu'on a introduit via l'héliotrope sur le sort distribution, c'est-à-dire que elle va générer des dommages et par la même occasion, ça va soigner ses alliés. Donc je donne pas les détails parce que c'est susceptible de changer. La voie air, ce sera quasiment la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, en occasionnant des dommages, un certain pourcentage de ces dommages vont être générés sous forme de soins pour ses alliés. Et en parallèle, on va avoir des systèmes qui permettront d'amplifier les soins reçus par des alliés et une amélioration du lapino, ce genre de choses. D'accord. Quasiment que deux sorts qui restent Tel quel? tels quels, mais bon, faut voir que l'intégralité des sorts n'est pas revue de A à Z, c'est juste des petites retouches pour certains. Mot de reconstitution et mot de frayeur, par exemple, resteront probablement à l'identique ou D'accord. à quelque chose qui ressemble. Et la voie feu aura la capacité d'occasionner des dommages aux ennemis via ces trois sorts de soins qui seront mot soignant, mot revitalisant et mot de sacrifice pour l'instant, tout en soignant ses alliés. Donc en fait, on garde le concept de la voie feu permet de soigner via l'intel et les soins, sauf qu'en fonction de la cible, ça va soigner ou occasionner des dommages. Un peu comme le système de l'héliotrope qui, avec l'état portail, peut soigner ses alliés et taper ses ennemis en utilisant le même sort. C'est ça, sauf que pour D'accord. l'héliotrope, c'est uniquement en pourcentage de vitalité, alors que là, dans ce cas-là, ce sera vraiment l'intelligence de D'accord. l'Enirip'sa qui Et générera c'est du la soin. même chose pour les voies R et O, il n'y a pas d'histoire de pourcentage de vitalité, c'est uniquement basé sur les Alors, pour les voies caractéristiques. R et O, c'est uniquement basé sur les dommages qui seront occasionnés. C'est-à-dire Donc que. indirectement par les caractéristiques de l'élément, Oui, et non mais du coup, pas. c'est un certain pourcentage des dommages qui sera retranscrit. En fait, D'accord. les voies O et R font les deux à la fois, là où la voie feu fera ou l'un ou l'autre, mais de manière plus efficace. D'accord, ok. C'est une bonne question, est-ce que le don de PA sera conservé sur la classe? Le don PA sera conservé, mot stimulant sera revu pour autant, c'est-à-dire qu'il ne fonctionnera plus de la même façon. Pour l'instant, on ne sait pas dire exactement à quoi il ressemblera, mais sur la piste qu'on a à l'heure actuelle, il aura trois rôles à la fois quasiment. C'est-à-dire qu'en gros, il va permettre de donner des PA à un allié. Une fois que cet allié a gagné des PA, ça va amplifier les soins qu'il recevra. Donc à chaque fois qu'il va recevoir des soins, au lieu de recevoir les soins, il va recevoir Plus. plus que ce qu'il est censé recevoir. Et en plus de ça, on va avoir un système de marqueur. En fait, ça va permettre de marquer cette cible et ce marqueur va permettre d'être réutilisé par d'autres sorts. Donc c'est un peu le système qu'on a pour certaines classes comme le Purmage, les dernières refontes, les Sadida, le Xelor. C'est-à-dire que il va pouvoir consommer entre guillemets ce mot stimulant pour générer des effets supplémentaires D'accord. sur certains sorts. Donc Ok, voilà. j'ai Donc on vu. supprime l'érosion. Naturel de l'ennemi, ouais, je L'érosion voyais cette naturelle, question, c'est-à-dire effectivement. mot stimulant ne donnera plus d'érosion, mot drainant ne donnera plus d'érosion, d'ailleurs mot drainant n'existera probablement plus, c'est-à-dire sera remplacé par un sort élémentaire. Donc on enlève la voie retrait PA qui est un peu sortie récemment sur Ah, l'Eniripsa. pour l'instant, on envisage de garder mot drainant, pas mot drainant, mot de Mot de silence, silence. mais effectivement mot Pour un burst de drainant, retrait PA, mais pas du retrait PA voilà, constant. quelque chose de ponctuel s'il y a besoin de retirer du PA à un certain moment. Mais pas un sort qui se spamme tous les tours contre plusieurs Apparemment, ennemis. les gens sont contents de Voilà. la disparition du drain. C'est exactement la même chose qu'on a faite pour le Xehor et son ralentissement, grosso modo. Faut voir que c'est D'accord.
Et deuxième question que j'avais vue, non, érosion, retrait PA, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ah oui, pour les gens qui sont habitués à lancer le Molotov au début de tous les combats. Molotov sera totalement revu, il n'y aura D'accord. plus vraiment de raison d'être étant donné la refonte de la classe qui viendra d'elle-même remettre des sorts de dégâts De dégâts à sans ça, avoir besoin de des lancer le capacités de Molotov pour dommages. avoir l'impression de faire autant de dégâts que les autres. Oui, alors je ne donne pas ce en quoi il va être revu parce qu'on est en train de faire des tests sur Molotov, on veut vérifier qu'on puisse vraiment le faire et qu'on conserve le concept, mais ça risque de. Enfin, il ressemblera à rien de ce qu'il est aujourd'hui. C'est le problème avec les dernières refontes de classe, c'est que ça a fait entrer de nouvelles mécaniques qui doivent donc être programmées. C'est plus compliqué et plus long. Oui, il y a du dev à faire encore pour s'assurer que tout soit ok, notamment en termes d'accessibilité, de feedback visuel. Mais on est assez confiant sur le fait que la classe reste largement accessible pour tout le monde, tout en lui apportant vraiment un intérêt supplémentaire dans tous les modes de jeu. Ok. Donc le chat, vous pouvez lancer le hashtag Molotov sur Twitter parce que je vois que ça vous fait plaisir. J'en vois déjà partout. Je suis Oui, Lotov, si je vous voulez suis. vous rendre ridicule, faites donc. Bon, ben on a bien répondu à la première question. Non, c'était la grosse question, je pense, qu'attendaient les gens. Voilà, ça c'est fait. C'est fait. J'en avais une autre, je crois, sur les nids. Je l'ai posée en même temps. Ariala, donc ta question sur le Molotov, pareil. Ça a été répondu, je pense, en long, en large et en travers. Et du coup, tu as aussi un peu répondu à la dernière question. C'est Bijiapo qui nous demandait si c'était possible de savoir un peu ce qui se passerait pour la mage d'avril. Donc, C'est toujours un souci d'efficacité. Je réponds à 50 000 questions à la fois, comme ça c'est c'est fait. ça, voilà. Donc, pour la mage d'avril, a priori, sauf changement de programme, vous aurez une refonte Eniripsa. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas sur les autres fontes. Il faut faire gaffe à ça. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de réfléchir à des nouveaux concepts et tout. Les développements qui servent pour la classe Eniripsa pourront servir à d'autres classes. On a déjà réfléchi pour la mise à jour de décembre à la base à des concepts pour les trois classes, donc Sacrifier, Rosa, Eniripsa. C'est des concepts qu'on garde en tête, qu'on va approfondir dans les mois à venir pour arriver à un gameplay au moins aussi intéressant que ce qu'on a fait jusque-là dans la dernière refonte de classe et qui nous satisfasse. Donc pour l'instant, on n'est pas arrivé jusque-là, c'est pour ça qu'on n'a pas fait, on s'est pas attaqué pleinement à l'OSA et au Sacrieur, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas avancé sur la question. Déjà, rien qu'en écartant des pistes, ça fait avancer la question. Mais bon, on a des concepts pour ces deux classes qu'on veut d'abord tester avant de vous en parler. Pour les Niripsa, c'est un peu plus concret parce qu'on a déjà des prototypes qui fonctionnent de la refonte de classe, grosso modo. J'aurais même limite pu vous en montrer là, mais c'était un peu trop précoce pour l'instant. On en est Surtout comme encore tu l'as dit à. encore une fois, tout peut Voilà, changer. on en est encore à faire des tests évidemment, mais c'est un peu plus avancé que Osa et Sacrieur, c'est pour ça qu'on se permet de nous avancer pour dire que Ça pour devrait avril, il y a des sortir en chances avril. pour que ce soit ça. Ok. Et voilà, donc on espère évidemment toujours fournir des refontes Osa et Sacri le plus rapidement possible, si possible dans l'année, mais bon, D'accord. je peux pas vous l'assurer. Ça dépendra énormément du planning, de notre temps disponible pour ça et de nos idées et de ce qu'on trouve d'ici là. Ok, ça marche. On peut peut-être passer à la question de psy. Mais non, on vient de répondre en fait. Je Ouais, je suis suis super capitaine, efficace. c'est un truc de fou. Toute la page, tu Bon, bah crois, en je peux fait, on a tourner fini. vite. Merci à On vous. a enfin. Non, psy qui nous demandait du coup, comptez-vous faire la refonte des trois classes en même temps en avril? Bon, je pense qu'il s'attendait un petit peu à la réponse. Et du coup, il voulait savoir laquelle, si c'en était qu'une seule. C'est donc l'Eniripsa. Kyoka ensuite qui me pose une question. Est-il prévu d'instaurer en jeu un système de ristat à volonté ou bien un système plus simple que l'actuel? Rien de prévu à court et moyen terme. On réfléchit toujours à comment rendre le système plus accessible. Mais c'est une question assez complexe qui implique pas mal de systèmes de jeu, à commencer par Automail. L'intérêt des donjons risque d'en être assez réduite. Mais c'est toujours dans je dirais nos volontés sans être dans nos priorités. On aimerait avoir un système plus clair, plus efficace et plus pratique, mais évidemment, on a quelques difficultés à arriver à cet objectif sans
sans que ça desserve nos autres systèmes de jeu pour l'instant. Donc D'accord. on continue d'y réfléchir, on cherche toujours des solutions et on espère vous en proposer le plus rapidement possible, mais ça ne fait pas partie de nos priorités à l'heure actuelle. Ok, très bien. Donc on peut passer aux autres questions d'Ariala qui a posé une question sur Nirepsa à laquelle on a déjà répondu, qui nous pose une question sur la pêche. Elle voudrait un petit peu d'aléa, parce que c'était la surprise de la pêche qui lui plaisait. Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Je ne pense pas que ce soit prévu. L'aléa est toujours présent via le drop, enfin la récupération des poissons spéciaux, donc comme pour tous les autres métiers. Je ne pense pas que la surprise de quel poisson j'ai pêché spécifiquement soit toujours à l'ordre du jour. On va rester sur un système qui assez déterministe où le un banc de poissons donne un poisson spécifique. Spécifique. D'accord. Ça aussi pour simplifier pas mal le fonctionnement de ce métier et le rendre plus clair. Parce que entre les poissons de mer et les poissons de rivière et les niveaux, ça faisait beaucoup de conditions où on ne savait pas exactement comment est-ce qu'on peut récupérer vraiment le Telle poisson qu'on veut ressource. récupérer. Donc désormais c'est fixe et c'est déterministe. Ok. Et on Et restera là-dessus. sa troisième question, du coup, est-ce que une réhausse du soin du tonneau est prévue? En tant que Pandawa, j'attends la réponse. Une rehausse du soin Par du exemple, en pourcentage de tonneau, vitalité. c'est envisageable. Je dirais pas que c'est prévu. C'est envisageable. Pas envisagé, envisageable. C'est envisageable. Envisageable. Pas Ça n'a envisageable. rien à voir avec envisager, hein. Faites bien la distinction. En disant qu'on n'est pas très friand de modifications qui viennent un peu comme ça. Préférez faire des grosses refontes de classe plutôt qu'une petite modif à droite et à gauche. On peut faire des petites modifs à droite et à gauche, mais il va y avoir une certaine justification ou des modifs sur plusieurs classes à la fois. On réfléchit, enfin, quand on réfléchit à l'équilibrage de classe, on ne réfléchit pas à un sort spécifique. Après, c'est vrai qu'il arrive quand on remarque qu'un sort Soit trop est fort, un soit beaucoup trop faible. peu mériterait une retouche, disons entre guillemets, rapide. C'est vrai qu'on se permet de faire des modifs en ce sens-là. Mais voilà, là c'est la même question pour la Kawotte, c'est la même question pour la Pinot. C'est des soins qui sont assez old school maintenant, qui se basent uniquement sur l'intel et pas sur la. Alors qu'ils pourraient mériter de se baser sur le pourcent de vie. Mais du coup, voilà, la réflexion est plus globale que Le juste le tonneau. tonneau. Et donc s'il y a des modifications qui vont en ce sens, ce Ce sera sera des surtout modifications un notamment peu plus Kawotte globales. et. Sauf si il y a d'autres modifications sur le Pandawa qui sont envisagées à ce moment-là. Mais il n'y a rien de prévu. Voilà. Envisageable. Retenez bien ce mot. Ensuite, on a Grolex Cash qui nous pose une question intéressante qui nous demande si les trophées résistance fixe sans malus, avec la condition donc des nouveaux trophées qui bloquent le bonus panneau à 2, est envisagé ou envisageable. Ou envisage, absolument. Alors les trophées résistance fixe, on n'aime pas trop en rajouter. La question s'est posée au moment où on a rajouté ceux Ces avec nouveaux le malus. trophées. Ceux sans malus avec les conditions plutôt. C'est juste que c'est un peu trop tout rien. En fait, ils sont efficaces que si les résistances fixes sont vraiment cumulées jusqu'à ce que à atteindre un certain seuil qui fait que les adversaires vont quasiment plus faire De de dégâts. dommages. Et donc du coup, on évite de permettre ce cumul à l'heure actuelle. Donc et les trophées permettraient trop facilement d'arriver à ce résultat. Donc non, Est-ce qu'on pourrait on cumuler préférerait celui éviter. sans malus et celui avec malus, plus le petit, enfin le Voilà, moyen le sans moyen, malus? le grand, Ouais, voilà, et ça ça pourrait. permettrait dans certaines situations de s'immuniser à certains sorts Ouais, virtuellement. Bon, d'accord. on n'en est pas là, on en est quand même assez loin en termes de valeur, mais si on commence à aller dans ce sens, à multiplier la façon de récupérer des résistances fixes dans certains éléments, Il y aura trop de cumul y et a un risque ça. pour qu'on y arrive, donc on préfère limiter les choses dès le départ. D'accord, très bien, très bien. Il nous pose une deuxième question, avec une petite note de troll, des changements à venir sur certains sorts Nutrof, hashtag je suis corruption. C'est toujours en réflexion. La corruption, j'en ai déjà parlé, je crois. Je sais plus. Je crois que tu m'en as parlé directement à moi, mais Ouais. pas officiellement. Bah vas-y, raconte. Garde pas ça pour toi. C'est Tu un. m'as juste dit que t'avais bien, que tout le monde avait bien vu qu'elle était abusive aux mille et une griffes. Oui, enfin, même avant. En fait, c'est un sort qui pose problème conceptuellement parce qu'il permet de faire passer son tour à un adversaire. Donc, Dommage pour être assez. plus précis, ça empêche de jouer quelqu'un. Et c'est jamais drôle Oui. quand on nous empêche de jouer. C'est pas très chouette. Donc,
On envisage des solutions. Ça ne veut pas dire qu'on en a, mais on en envisage à l'heure actuelle. C'est-à-dire que il faut pas s'attendre à ce qu'il reste tel quel encore quelques années, même si ça se pourrait si on n'a pas de solution meilleure à l'heure actuelle. Ça va de les solutions qu'on envisage, ça va d'une refonte totale du sort à juste des modifications sur ses contraintes de lancer dans un premier temps, par exemple. Donc c'est sa portée, c'est le fait qu'il soit en ligne ou pas. Mais forcément, étant donné que le concept, enfin que le concept en lui-même ne vous plaît pas, de c'est davantage voilà le fait que bah, ce soit un passage de tour pur et dur. Y a des chances pour que ça passe plutôt par une révision de son effet, tout en gardant un peu le même esprit qui est j'empêche un adversaire de réagir à un certain moment donné. C'est juste que au lieu de l'empêcher de réagir, ça va l'empêcher de réagir d'une certaine façon potentiellement. Donc pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à la solution. Ce qu'on sait, c'est que vu que l'état pacifiste a un certain succès, c'est pas ce qu'on veut pour ce sort. Parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'il permette à l'Unutroph et son équipe de se prémunir de capacités défensives et pas offensives. Ce qui est en contradiction avec l'état pacifiste qui est là principalement pour empêcher un adversaire de faire des dommages. Donc, d'accord. Vous voulez que la corruption soit un sort offensif? Défensif. Oui, offensif. Offensif. Quand il le lance, c'est parce qu'il veut attaquer. C'est ça. D'accord. Ok. Ça se tient. Je commence à m'embrouiller après toutes ces questions. T'es qu'à la première page. Hein. Ah, ça me fait plaisir. Mais j'ai peut-être répondu déjà à une dizaine de questions. Peut-être, ça, on ne sait pas. Ah, ça c'est une question. Bah, tiens, ma première réponse en tant que CM. Ah, quand donc c'est une question de Shem Boy. Non, on n'a pas dit que tu devais répondre à la question, c'est que moi. Ah, non. Bon, d'accord, je te laisse. C'était écrit. Je kill, c'est nice. Il y avait une petite rime en plus. J'ai prévu, en fait, je change de pseudo la semaine prochaine, c'était juste pour le live, comme je le faisais avec Brice. Il fallait un petit jeu de mots. Parfait. À quand une refonte du forum à l'image des forums CrossMaga et Dofus Touch? Alors, donc effectivement, il y a un nouveau forum qui est super génial pour ces deux jeux. Tous les jeux vont petit à petit migrer sur ce forum-là, mais en fait, comme il faut migrer toutes les données, on va faire jeu par jeu, et on prendra le plus gros jeu, qui, comme tu t'en doutes, est Dofus, qui, comme il est le plus vieux, a la plus grosse base de données, en dernier. Donc ça va prendre du temps avant que Dofus ait accès à ce forum là parce qu'il y aura tous les autres jeux en Kama qui passeront d'abord. Donc quand tu verras commencer arriver Wakfu par exemple, tu pourras te dire ah, Dofus c'est dans pas très longtemps. Peut-être. Voilà pour ça. C'est envisageable. C'est envisageable. J'irais même jusqu'à dire envisagé pour celle-là. Ah. Ok, donc on repasse à toi, c'était ma question, tu vois, sur les 10. Tu pouvais prendre un peu plus de temps si jamais. Non, non, c'est bon, mais c'est une question rapide. Tu vois. Voilà, moi j'ai fait mes 1 minute sur 2 heures de live, c'est très bien. Carapolo, peut-on espérer voir arriver un jour le système de héros? C'est un système qui est présent sur Wakfu, je sais pas si tu connais. Je connais le système de héros, on a longuement eu l'occasion d'en discuter en interne. Il n'y a rien de prévu parce que c'est. Un système qui ne t'intéresse pas sur Dofus. J'ai pas de mots pour le dire, c'est ultra complexe, mais c'est encore pire que ça en fait. Donc c'est. D'accord. C'est super, super, donc, super. Peut-être expliquer pour les gens dans le chat qui connaissent pas forcément Wakfu. Alors le système de héros, c'est j'ai plusieurs personnages sur un compte, je peux tous les jouer dans le même combat, l'équivalent du multi-compte sur un seul compte. Voilà, c'est j'ai ça. Bien résumé. C'est une sorte en fait, votre multi-man, c'est votre second personnage sur le compte. Vous pouvez aussi le voir comme ça. Voilà, c'est ça. En gros, vous pouvez avoir comme compagnon un autre personnage de votre compte. Par exemple, j'ai un panda 160 sur mon compte principal, j'ai aussi une Eneripsa 70. Je peux prendre l'Eneripsa 70 pour faire mon combat avec mon panda. C'est alors ça. Qu'ils sont sur le même compte. Ça implique pas mal de grosses modifications sur énormément de systèmes de jeu en plus du moteur fondamental du jeu. Donc du coup, ben, c'est pas envisagé pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a d'autres priorités, à commencer par le Coliseum Interserver mal de choses notamment. Qui font que c'est même pas. C'est pas prévu quoi. Je suis pas dev après, donc je peux pas vous donner les détails, mais bon, on est loin de sortir un tel système à l'heure actuelle. C'est beaucoup de travail. Ça marche, ça marche. On peut donc passer à la question de Matisse. Quels moyens pouvez-vous mettre en place pour éviter que les joueurs fassent crash le serveur héroïque? Quels moyens on peut mettre en place? À l'heure actuelle, il y a déjà plusieurs restrictions qui ont été mises en
place. Sur les emotes notamment. Sur les emotes, sur le flou de manière globale de certains effets. Et il y en a d'autres qui ont été mis en place spécifiquement sur le serveur OX ce matin à cause des derniers crashs d'hier et d'avant-hier. Et on espère que ça suffira. Mais malheureusement, on ne peut pas prévenir ces méthodes avant que ça arrive. Que vous les découvriez. On peut malheureusement que réagir sur certains points. Il y avait déjà des systèmes qui étaient censés empêcher ce problème, mais évidemment ils ont été contournés ou juste ils sont attaqués à d'autres choses, sachant que aussi ça implique potentiellement l'utilisation de bots dans certains cas, c'est des systèmes qui sont assez compliqués à tester de nous-mêmes. Et après, anticiper. Une fois de plus, je ne suis pas développeur, donc je ne peux pas répondre précisément sur ces questions, mais d'accord. Grosso modo, c'est ça. Ok, tu réponds déjà très très, très bien pour quelqu'un qui... de qui ce n'est pas censé être le métier. Ça m'intéresse aussi. On peut passer aux questions de ce nom qui va nous parler de refonte graphique. Il nous demande s'il y en a qui sont prévus pour cette année. Et il nous demande aussi quel est le level designer qui a remplacé Azimar. Moi, je ne suis pas là depuis assez longtemps pour lui répondre. Peut-être que toi, tu pourras. Alors, des refontes graphiques sont-elles envisagées ? Il y a toujours des refontes graphiques en cours. Je ne sais pas ce que je peux spoiler ou pas, mais il y en aura probablement cette année. Je ne peux pas vous l'assurer à 100%, mais il y a des choses qui sont en cours. C'est-à-dire qu'il y a énormément de zones à l'heure actuelle qui sont graphiquement assez pauvres, voire assez moches si on écoute nos graphistes. Donc ils ont du mal, ça leur pique les yeux, et je comprends totalement, quand ils arrivent dans cette zone. Donc ils font, en plus du travail d'implantation de nouvelles zones comme les Caflipus, qui pour le coup, elles sont très jolies. On voit la différence clairement entre des zones qui ont été faites en 2015 et celles qui ont été faites en 2019. Oui, clairement. Donc en marge de ce travail-là, ils font énormément de travail de refonte graphique sur certaines zones. Donc on en a vu l'an passé, on en a vu il y a 2 ans. En fait, chaque année, il y en a. Et chaque année, c'est de mieux en mieux. Donc du coup, c'est toujours le cas. Qui est le level designer qui a remplacé Azimar ? En fait, il y en a plusieurs à l'heure actuelle. Je ne sais pas exactement s'ils veulent être connus de la communauté ou pas. Donc je n'en dirai pas plus, mais il y a eu des remplaçants, mais il n'y a pas eu un remplaçant. Il y a eu des remplaçants, donc forcément moins en contact avec la communauté potentiellement. En même temps, ils n'ont pas... C'est pas leur métier. C'est pas leur métier. S'ils n'ont pas la volonté de se montrer, il n'y a pas de raison qu'ils le fassent. Dans tous les cas, voilà, il y a forcément des game designers, ça c'est nous, des level designers sur le jeu, vu que les maps, il faut bien que quelqu'un les fasse. Donc ils sont bien présents, si jamais la question se pose. Et sa deuxième question, du coup, pourquoi avoir choisi de refaire les animations de Yop en particulier, qui sont très réussies au passage ? Merci à toi. Les animateurs sont ravis de l'apprendre. Pourquoi les animations Diop en particulier ? C'est parce que en fait, il y a eu des prototypes qui ont été faits à la base pour d'autres fins, et que du coup, les animateurs les ont réutilisés. D'accord. Pour refaire les Soriop sur Dofus. C'était déjà fait, donc autant s'en servir. Voilà, tout de suite. C'est la réutilisation d'assets, ça nous a pas demandé énormément de travail. Enfin, ça nous, les animateurs, ça n'a pas demandé. Enfin, c'est un travail qu'ils avaient déjà fait en amont, en fait. C'est ça, ils avaient déjà les recherches graphiques et tout, ils y ont passé le temps qu'il fallait, mais c'était voilà. En gros, c'est ça qui les a poussés à faire cette refonte. Ils travaillent toujours en parallèle des refontes sur d'autres animations de sorts, parce que de ce côté-là aussi, il y a des trucs qui piquent pas mal les yeux. Mais bon, rien de prioritaire. Ils sont en priorité sur tout ce qui est monstre et emote, et enfin le nouveau contenu. D'accord. Principalement. Bon, par exemple, sur les Caflipus, les 3 familles de monstres ont nécessité pas mal le travail des animateurs. Et s'ils ont pu faire les refontes en même temps, c'est précisément parce qu'il y a une grosse partie qui était déjà faite. D'accord. Très bien. Et cette dernière question, il nous demande s'il y aura de nouveaux compagnons, parce qu'il n'y en a plus depuis 2014, je crois qu'il a précisé dans son tweet. Je ne l'ai pas noté, mais il me semble que c'est ce qu'il a écrit. Eh ben, tu prends pas les notes complètes, c'est pas très chouette. Non, c'est voilà.
Hein? C'est pas professionnel. Il n'y a pas de compagnon qui est prévu à court terme. En fait, on estime qu'il y en a déjà assez à l'heure Suffisamment. actuelle. Et de manière globale, c'est beaucoup de travail pour les animateurs, pour les game designers, pour les développeurs aussi, parce que parfois on demande des concepts particuliers pour les compagnons. Donc du coup, on n'a rien de prévu en ce qui concerne les compagnons à court terme, parce que on estime que c'est des contenus qui sont assez cool, qui sont assez intéressants, mais qu'actuellement on en a suffisamment pour pouvoir se permettre de faire une pause à ce niveau, parce que c'est on estime que la rentabilité de ce contenu n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'on préfère produire potentiellement une nouvelle famille de monstres qu'un nouveau compagnon, parce que plus on ajoute de compagnons, et moins forcément le nouveau compagnon et les nouveaux compagnons deviennent intéressants. C'est pareil pour non, c'est pas pareil, donc du coup je vais pas finir ma phrase. Ah là là, elle était bien. Ouais, Elle était bien. je vois ça. Et on passe donc aux dernières questions de Taroy, ou Taroy, je ne sais pas comment se prononce ton pseudo, cher ami. Une remise en place d'une forme de PvP Bonta Brakmar est-elle prévue? Pas de track, please. Donc c'est vrai que ça, la question se pose par rapport au sujet central du film, qui est centré un peu sur la guerre Bonta Brakmar, qui a disparu du jeu. Est-ce que c'est prévu de la faire réapparaître d'une manière ou d'une autre? Non. En fait, il n'y a rien de prévu en termes de PVP d'alignement, parce que comme on l'a expliqué quand on a rajouté la VA, on préfère se tourner vers ce système que sur de l'alignement, tout simplement. D'accord. La question du PVP se pose encore et toujours. C'est évidemment une question sur laquelle on aimerait avancer, c'est-à-dire on parle du cohésion inter-serveur toujours, on parle de l'e-sport sous toutes ses formes, on parle de donner potentiellement plus d'outils aux joueurs pour organiser leur PVP en fait. Mais c'est des questions qui sont assez complexes à l'heure actuelle, parce que c'est des questions qui impliquent énormément les joueurs, la communauté. Et même si on aimerait beaucoup avancer là-dessus, on a quand même nos priorités qui sont le contenu du jeu, l'amélioration des contenus du jeu, qui font que pour l'instant c'est un travail de fond et pas un travail sur lequel on est, pas un travail prioritaire, on va dire. Évidemment, ça n'empêche pas que la question évolue et avance. C'est-à-dire que déjà on a notre nouveau CM qui est là en partie pour ça, il me semble. Enchanté. Et on a toujours des pistes de réflexion sur pas mal de choses qui pourraient améliorer les choses, mais malheureusement c'est pas aussi avancé que la refonteny, donc je ne peux pas en Voilà. parler Donc on plus parle de la difficile. Refonteny et puis on verra quand on pourra vous parler du reste. Absolument. Mais on a très envie en tout cas. Cette dernière question donc de Taroy, la foire du troll, un retour envisageable. Envisageable, envisagé. La foire du troll. Du troll, pardon, je dis troll. Du troll. Je ne sais plus exactement comment ça se prononce. Il y a deux O, ça doit être troll, Il y a de O dans ce qu'il écrit, après ça se trouve, on Ah joue. non, je crois que c'est troll. Voilà, donc la foire du truc. Oui, c'est vrai que c'est un contenu un peu mort au milieu de Cagna, mais on n'a pas. C'est pas un chantier prioritaire du tout en fait. On ne sait pas exactement ce qu'on voudrait en faire et on ne sait pas exactement ce qu'on peut en faire. Et du coup, pour l'instant, à part une refonte graphique, il n'y a pas beaucoup de pistes en ce qui nous D'accord. concerne. Après, on a des idées, on a déjà réfléchi à la question, on sait qu'est-ce qui serait envisageable, qu'est-ce qui pourrait être amusant pour cette zone-là, mais on n'a pas non plus de pistes arrêtées sur ce qu'on veut faire exactement pour la foire du troll. Mais c'est vrai que c'est une question qui Qui revient mérite assez d'être souvent, posée. et c'est vrai que cette zone mériterait d'avoir un Un attrait un petit coup peu, de jeune. voilà, Ok. un peu plus. D'accord. Bon, on arrive à la fin de mes petites feuilles. Il nous reste 15 minutes de questions. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur le hashtag. Où, ouais, j'espère, je pense. Oui, voilà, 80 nouveaux résultats. Il y a quelques questions. Zut. Donc, on va prendre ceux qui sont allés le plus vite, hein, malheureusement. Hein. Désolé pour ceux qui posent leurs questions juste maintenant. On n'aura sûrement pas le temps d'y répondre. Bon, il y a pas mal de questions troll, évidemment. Est-ce que tu veux répondre à celle-ci?
Non. Non, on est bien d'accord. Celle-ci non plus. D'accord, ok, il y a 80 questions, mais combien il y en a qui sont cool? C'est un peu très spécifique. C'est spécifique, c'est spécifique. Je sais pas. Mais j'en si prends je bonne note, PPC Njutsu. Sous forme de si screenshot. Ah, ce centenaire qui nous fait un gros pavé, on va prendre le temps de le lire quand même. Non, je sais. Non, c'est sur le métier de chasseur, Zapsa. Zapsa, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec lui. Je vais pas recommencer. Alors ça, je pense qu'on peut déjà lui répondre. On nous demande pourquoi les gros donjons de dimension nécessitent un roublard pour les gérer. C'est frustrant pour ceux qui en ont pas. Pourquoi tous les gros donjons? Déjà, c'est faux. C'est faux. Ouais, c'est faux. Il y a eu le passage en trio des 3 et même des 4 maintenant gros boss de dimension qui permet à beaucoup plus de classes de passer les trios. Donc à propos de la nécessité du roublard en dimension, parce que c'est ça la question, déjà, il n'est pas nécessaire puisque, que je sache, la Reine des Voleurs et Nidas... contre la Reine des Voleurs et contre le roi Nidas, le roublard n'a jamais été, je pense, n'est toujours pas obligatoire. Contre Vortex, on sait qu'il y a des stratégies pour le vaincre sans donc là, problème. Juste pour fixer pour le chat, on parle bien des matchs quand on le fait entre 4 et 8. Et non pas les trios ou les duos. Ah oui, c'est ça. Voilà. Oui, juste pour passer un combat classique pour passer le boss. Voilà. Le roublard, effectivement, n'est pas obligatoire en Nidas et en Reine des Voleurs. Et en Vortex, c'est faisable sans aussi. Plus difficilement que les autres, mais c'est faisable. Pour le Chaleuil, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Parce que le Chaleuil est sorti il y a une semaine et demie, grosso modo. La plupart des stratégies se basent sur un roublard, et c'est logique. La plupart des joueurs, du coup, ont copié cette stratégie qui était déjà utilisée sur Vortex. Et la plupart du temps, si ce n'est systématiquement tenté avec un roublard. Donc à partir du moment où il est systématiquement tenté avec un roublard, ce n'est pas surprenant qu'il soit systématiquement réussi avec un roublard. On attend d'autres retours, d'autres tests, d'autres voilà, et on attend que vous nous surpreniez un peu parce que jusque-là vous n'êtes pas très créatif là-dessus quand même. Je pense à logistique qui doit être dans le chat et qui vous a surpris avec les idoles. Mais voilà, on ne doute pas que d'autres stratégies sont possibles. Donc jusque-là, c'est plutôt à vous de nous démontrer le contraire. D'accord, très bien, très bien, très bien. Ça marche pour cette question. Ça c'est un petit tweet de Xialet, certainement. Ça, on a déjà répondu. Une refonte de zone de prévu, on a déjà répondu. Non. Ah, oui, j'ai une question pour toi de la part de Revel, ou Revel, on ne sait pas trop comment on l'appelle dans le milieu. Il voulait savoir si, au niveau des quêtes, notamment Dimension, c'était envisagé ou envisageable de pouvoir les faire complètement en monocompte quasiment. Éviter les combats contre 6 ou 8 monstres par exemple qui obligent à les faire à plusieurs. Non. C'est-à-dire que le contenu d'Ofus globalement c'est un contenu de groupe. On ne parle pas de monocompte ou de multicompte. Ce qu'on veut faire, c'est monocompte solo. Du contenu de groupe, y compris pour les quêtes. À partir du moment où on vous demande de faire un donjon, par exemple, c'est déjà du contenu de groupe. Mm-hmm. Et du coup, c'est le même système pour les quêtes. Parfois, ce sera des quêtes qui nécessiteront un groupe, c'est-à-dire il y aura des combats contre plusieurs monstres. Et parfois, ce sera des quêtes qui seront solo. Ça dépend de la volonté scénaristique derrière. C'est-à-dire si on veut mettre en scène un combat en 1 contre 1, alors ce sera un combat en 1 contre 1. Si on veut mettre en scène un combat où tu affrontes 8 monstres, il y aura 8 monstres à affronter, il faudra que tu aies l'équipe pour les vaincre. C'est juste, on ne se limite. La seule question la principale question la plus pertinente, c'est qu'est-ce qui veut être mis en scène durant ces quêtes. Et quel est dans l'intérêt de la quête, quel est le meilleur combat possible, quoi. D'accord. Et c'est ce qui est mis en place la plupart du temps. On espère. Ça marche. On a Fabien
qui nous en approche de l'été, même si on est encore un petit peu loin, on est à 5-6 mois à peu près, on doit être à 5 mois de la sortie de Vulcania, et nous demande si la zone sera similaire à ce qu'elle était les années précédentes, ou si elle subira des modifications. Alors le contenu événementiel comme Vulcania, c'est pour nous pas une priorité. C'est du contenu qui est là, qui est fait. Et, qui ne présente que 2 mois dans l'année, ou peut-être 3 pour Vulcania. Qui ne représente que 2 ou 3 mois. Mmh. Évidemment, c'est toujours mieux si on a le temps de revoir des choses. On a déjà fait une refonte complète de l'île de Noël. On a déjà fait des modifications sur Vulcania, notamment pour les rendre plus accessibles, pour la zone plus accessible à bas et moyen niveau. Donc il y a déjà des modifications qui ont été faites, mais on préfère se concentrer sur du contenu qui est présent plus longtemps, donc sur toute l'année. Donc souvent quand on a des refontes à faire, c'est sur du contenu qui n'est pas événementiel, qui est du contenu permanent. Et pareil, quand on ajoute du contenu, on préfère rajouter du contenu permanent que du contenu événementiel. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ces deux îles totalement. On a des pistes d'amélioration, on a noté pas mal d'idées, mais ça passera pas avant du contenu plus traditionnel, on va dire. C'est pas prioritaire par rapport à ce type de contenu maintenant que le contenu est présent. Évidemment, s'il s'agissait de rajouter Vulcania, c'est une autre question. Parce que du coup, c'est plus simple à améliorer qu'à créer entièrement. Celle-là, tu m'y réponds. J'ai pas l'info dessus. J'ai pas l'info dessus, d'accord. Ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça c'est une bonne question sur la forge magie, on n'a pas trop parlé de ça. On nous demande si c'est envisagé d'avoir des runes pas réfixes, parce que là elles n'existent que en runes classiques, alors que des items montent à 25, peut-être pas 30 récrites parfois. Mais il y a les pas pour les récrites, mais pour les restes élémentaires ça monte à 25 certains items. Oui. Et on n'a qu'une rune simple, parce que c'est envisagé. En fait on utilise de moins en moins les runes, la caractéristique résistance fixe pour les raisons que j'ai expliqué, c'est-à-dire que. Pour ceux qui n'étaient pas là, le cumul est problématique parce qu'il permet de s'immuniser quasiment à certains éléments dans certaines situations. Et on ne veut pas. Et à la fois, si on n'a pas beaucoup sur un équipement, la caractéristique est quasiment inutile. Donc, du coup, c'est une caractéristique qui est vraiment intéressante que si elle profite d'un cumul très élevé. Et on préfère, du coup, limiter un maximum les gains dans cette caractéristique. Donc, c'est pour cette raison notamment qu'on ne rajoute pas de pas réfixe qui simplifierait notamment la forge magie exotique de cette caractéristique sur des équipements qui ne la possèdent pas. Et ce qui rendrait des choses un peu bizarres à bas niveau. D'accord. On a une question de Benji Galou qui nous demande quelle est la classe que vous conseillerez aux débutants. Et bien là justement on peut en parler, on a une refonte en 2.33 de l'interface de création de personnage qui t'indique en fait la difficulté de ton personnage. Ils sont même classés par ordre de difficulté et du coup tu peux choisir dans tous les personnages qui ont une étoile qui sont faits pour les nouveaux joueurs comme tu sembles l'être. Oui, en fait les classes sont classées par ordre de difficulté, donc du coup il suffit de prendre les premières dans la liste et c'est celles qui sont conseillées pour les débutants. Il doit y avoir Cryop, Eniripsa ou Samodasram. Ouais, ça doit être la liste complète. Il y en a une dernière, je sais pas. Et qui a flippé à 2 étoiles. J'ai fait pas mal le tour des classes récemment. Je les ai un petit peu en tête. On nous pose la question sur la hauteur de Bobis. On n'a pas d'informations à vous donner. Non. Sur Bobis, c'est toujours en test pour le test anti-bot et on sait pas quand est-ce que ça sera. Il y a toujours des tests anti-bot qui sont faits. On a besoin des statistiques sur ces serveurs pour savoir quels sont les impacts des tests anti-bot. Et à partir du moment où on ouvre le transfert de serveurs sur ces serveurs, ça devient un peu catastrophique en termes de statistiques, vu que techniquement il peut être importé n'importe quoi des autres serveurs. Et donc du coup on n'a plus trop d'infos sur exactement quels sont les impacts de la lutte anti-bot. Et étant donné que c'est toujours quelque chose qui est en cours et quelque chose qui nécessite toute notre attention et qui fonctionne sur plusieurs itérations, c'est-à-dire que c'est pas en fait depuis le début la fermeture entre guillemets de Bois et de Hagrid, c'est pas les mêmes systèmes qui sont mis en place, ils ont évolué entre temps et ce genre de choses, et donc du coup on a toujours besoin en permanence d'avoir des serveurs témoins, donc pour l'instant tant qu'on reste sur ce système, il n'est pas prévu de réouvrir ces serveurs. Ok.
on peut rester un petit peu sur la forge magie ou y revenir. Et Taran qui nous demande si vous êtes satisfait du système actuel d'obtention de runes de forge magie qui a été modifié il n'y a pas si longtemps, 2.32 il me semble. Il a été augmenté, ouais. la génération de runes a été augmentée. Est-ce que maintenant avec cette modification vous êtes satisfait? Oui, si je peux répondre assez simplement. Oui, bien sûr. C'est fantastique. Je peux répondre, bah, je m'arrêterai à un oui alors. Très bien. Très bien, c'est parfait. Hop, qu'est-ce qui nous reste? 23 nouveaux vitas encore. Une refonte de l'ornement Ekaflippus. Alors, j'ai vu passer une modification, je ne sais pas si ça passera prochainement. D'accord, mais, donc c'est quand même fait. Il y a quelque chose qui a été fait, je ne saurais pas dire, c'est peut-être juste un ça test. Ça va faire plaisir au chat, ça. Mais voilà, c'est pas sûr que ça sorte. Mais c'est pas dit que ça sorte. S'il y a une modification, ce sera en tout cas pas avant avril, mais il est probable qu'il y en ait une. D'accord, donc ça, quand une zone PVP, ça va, on en a parlé tout à l'heure quand on a parlé un peu de l'e-sport, du PVP, de donner les moyens aux gens de faire du PVP, c'est en cours. On réfléchit à ces questions-là, mais rien de concret pour l'instant à vous donner. Non, sur l'AVA, c'est pas un chantier prioritaire, une fois de plus. Donc peut-être poser la question quand même. Et Delves qui nous demande des nouvelles cette année sur l'AVA en termes de récompenses ou de modifications du système. Donc apparemment, il y a toujours des réflexions, il y a toujours des... En fait, on envisage des modifications, mais on n'a pas de... Il y a des gens qui s'amusent à côté de nous, c'est très troublant. C'est très perturbant. On ne peut pas vous dire ce qu'elles font parce que... Je pense que ça risque de vous traumatiser comme ça nous traumatise nous en ce moment. Donc, Comme elles sont toutes rouges, ce serait bien qu'elles viennent maintenant. Et donc du coup, la VA, non. Rien à court terme, on n'a pas de priorité là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'a rien d'envisagé, mais on a des pistes d'amélioration et plus que d'amélioration, d'extension, je dirais, du système, qui sont toujours dans le panier, mais malheureusement sans volonté de le prioriser par rapport au reste. D'accord. Bon, je pense qu'on va vous laisser ici. Je vais remercier Brice pour sa présence et vous pouvez le remercier aussi dans le chat. Dites tous merci Brice. Merci à vous pour votre écoute. C'est toujours cool quand on a des réponses comme ça directement d'un GD. Moi, je vais passer l'antenne à nos chers CM d'Office de Film, Poupik et Mazura, qui sont là. Elles sont à fond. Du coup, je vous passe une petite bande-annonce d'Ofus le film pour les introduire et ensuite elles vont apparaître par magie. Non mais c'est terrible, on peut pas travailler. C'est impossible. C'est impossible, impossible. Voilà, donc merci à Brice encore une fois d'avoir été avec moi. Moi, je vous retrouve tout à la fin du live. Je viendrai vous faire un petit coucou pour couper ça ensemble et je vous laisse avec donc Poupik et Alvi, puisqu'on va dire. Ça, c'est comme ça. À tout de suite. Merci à vous. Bon week-end. Dans la majestueuse ville de Bonta, Joris coule des jours paisibles avec son père adoptif. Allons, les enfants. Vous pouvez aller prendre votre petit déjeuner. Hein ouais. Mais les Dofus, des œufs de dragon légendaires, suscitent toutes les convoitises. Maître Kérubim, le Dofus Eben a été volé. Hein ? Julie, t'es de retour, Kérubim. Mais alors, Joris est en danger ! Elle a emporté le Dofus Eben. Heureusement, nous avons un moyen de la contrer, grâce au Dofus Ivoire. Je l'ai caché là-bas, dans mon temple. Fini les enfantillages, Baccara. Tu calmes, poupée, tu vas finir par blesser quelqu'un. Je savais que le courant finirait par passer entre nous. Salutations, fidèle Acham. J'ai une mission pour toi. Tu diras à Joris de sortir de sa cachette. Il est temps qu'il apprenne la vérité. Suivez-moi! C'est l'heure de vérité. Le phénomène Dofus, enfin au cinéma. Quand tout ça sera terminé, on pourra peut-être aller boire un verre tous les deux. Quel tigre.
Tintin, qu'est-ce que c'était beau quand même. Incroyable. Incroyable. Magnifique. Hein, qu'est-ce qu'on pense, Pique ? Est-ce qu'ils nous entendent ? Voilà. Alors attends, parce que du coup, il faut qu'on enlève. Hop, hop, hop. Tu marches ? Est-ce que vous nous entendez ? Full live. Voilà, c'est parti. Yeah, salut tout le monde ! Salut ! Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Allez, j'enlève le logo Dofus et logo j'ajoute le Dofus film. Hop, hop, hop. Yeah. Et franchement, c'est pas trop beau. C'est magnifique. Mais regardez ce qui est encore plus beau. Et ça, on va tout. C'est pour Kini. Kini, si tu nous entends, c'est un peu pour toi, parce que tu ne croyais pas, elle faisait 1 mètre de long. Bah, regarde. Voilà. Elle regarde. Fait réellement 1 mètre de long. Voilà. Voilà, voilà. Ah oui, et puis on vous avait dit surtout qu'on allait vous faire des cœurs avec les doigts. Donc, cœur avec les doigts. Enfin, moi, le mien, il n'est pas beau de cœur quand même. Mais... T'as pas le pouce assez long. Bref. Allez. Alors, on commence par quoi ? On va commencer. Je sais pas si on m'entend bien. Est-ce que c'est tout bon ? Hop, hop, hop. On est parti. On va peut-être se présenter un petit peu parce qu'on est assez méconnus. Personne nous connaît. Ah là là. Enfin, il y en a certains qui nous connaissent quand même. Tu te présentes ? Moi, c'est Poupic. Quel est ton rôle, Poupic ? Je suis responsable communication et marketing du studio. Ouais, ça fait un peu. C'est pas un titre qui fait très envie, quoi. Donc, en gros, j'étais responsable du lancement. Donc, quand vous êtes plein de la com du film, c'est moi. Voilà. C'était pas cool, quoi, les gars. Franchement. Apparemment, j'ai floué le jeu. Donc, voilà, désolé, hein. Mais bon, on m'a dit, faut faire venir la communauté. Moi, j'ai donné tout ce que j'avais, quoi. Merci, Freeze. Merci, Freeze. À toi. À moi. Bah, salut. Bah, alors, comment je m'appelle, moi, du coup ? Je m'appelle Albi. Bah, tu peux t'appeler Albi. Ouais, ça va. Donc, t'es pas obligée de t'appeler Mazura. Attends, par contre, j'ai enlevé cette peluche parce qu'elle tient chaud. Attends. Attends, elle prend un peu trop de place. Tiens. Ça va. Tiens, Kills. Et vous trouvez pas que Kills ressemble un peu à Squeezie d'ailleurs ? Mon dieu. Ça y est, c'était la private joke qui a été balancée comme ça. Bref. Du coup, salut tout le monde. Donc, effectivement, je m'appelle Alvi. Mais je suis déjà plus ou moins connue par certains d'entre vous. Oui. Voilà. Donc, je suis community manager sur Dofus le film. Voilà. Et donc, j'étais là pour répondre à toutes vos questions, tous vos petits MP, tous vos messages privés d'amour et de soutien. Et rien que pour ça, moi, je vous fais des bisous. Voilà. Ça se voit que t'es vachement plus à l'aise que moi sur un live, hein, punaise. Et pourtant, c'est mon premier live aussi. Ouais. D'accord. Voilà. Pour rentrer concrètement dans le vif du sujet, parce qu'en plus, je vois le chat qui défile, donc je vois déjà des questions pas très sympathiques, mais tant pis, on y répond quand même. On va parler tout de suite des chiffres, on va parler tout de suite de ce qui fâche un petit peu. Pour dire que, effectivement, on ne va pas le cacher, on est un petit peu déçus du nombre d'entrées du film. Après, on est quand même dans un contexte de concurrence qui est assez fort. Et puis tout le monde va avoir les tuches. Je ne sais pas pourquoi, parce que déjà que le 1 il était nul, alors le 2 c'est pire. Mais bon, j'ai pas le droit de dire ça. T'as pas le droit de dire ça, ah, non. J'ai pas le droit de dire ça. C'est pas grave, tu peux. Mais on est super content en fait des retours qu'on a au niveau de l'appréciation du film. Et surtout, on est super content que, grâce au film, on ait pu revenir vous voir. Donc, on a fait la tournée des Dofus Days. Là, Tot et Gigi sont à Bruxelles au Festival Anima. On va encore faire quelques dates dans la région. Il y a une après-midi prévue dans un cinéma à Avignon. Enfin bref, il y a encore pas mal de choses de prévues. Et aussi, donc, pour cette nouvelle énergie que le film a donnée, pour ça, on est super content. Après... les entrées, bah, c'est tout. Hein. Je pense que pour maintenant, on se fait une raison. Et pour nous, on est super contents du travail qu'on a fait. Hein, parce qu'il oui. est super bien quand même ce il film. Il est quand même super bien ce film. Moi, je l'ai vu environ 70 fois. Donc, je bats Ed Rock, mais... au la main. Ouais, je bats en KTV aussi, au la main. Et au bout de la 70e fois, je pleure toujours aux mêmes endroits. Je ris toujours aux mêmes endroits. Donc là, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage quand même à aller le voir. Mm-hmm. Et voilà. Et non, les tuches, c'est pas marrant, Thunder. Non, c'est pas drôle. Voilà. Est-ce que du coup, tu peux dévoiler le nombre précis des chiffres ? En fait, au niveau du box-office, on n'a pas les chiffres en live. Enfin, je veux dire, on les a pas. C'est pas comme un compteur qui défile. Là, hop, problème de micro. On les a. Problème de casque aussi, j'ai l'impression. Ah, mais on moi, les a deux fois par semaine. Donc, on les a le lundi et le jeudi. Et je ne les ai pas eu hier. Ah, donc, je m'en étais arrêtée au dernier décompte de mardi, où on en était à peu près à 40 000 entrées. Voilà, ce qui est bien. Plutôt bien quand même pour un premier film d'animation fait en France, etc. C'est vrai qu'on s'attendait à mieux. Oui.
beaucoup mieux, mais c'est quand même pas mal. Ouais, 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 voilà. Voilà. Ok, très bien. Du coup, on peut peut-être reparler de cette fameuse coucougnette géante qu'on avait oui, évoquée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Au palier des 50 000 d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont dit coucougnette géante avec les doigts, mais je sais pas comment on fait. Moi non. En même temps, je sais pas si j'ai envie de savoir. Moi non plus, voilà, on va arrêter là. Ça me dégoûte d'un coup. Ah. Oui, donc cette fameuse, c'était un montilier, hein, d'accord. C'était pas une coucougnette géante du tout. Et on avait parlé aussi des familiers pour le palier des 100 000. En toute honnêteté et en toute blonditude, parce que vous voyez que je suis blonde, je ne sais pas du tout pour l'instant comment on va vous, voilà, comment on va vous le distribuer, le montilier. Enfin, comment on va vous le proposer plutôt, parce qu'on a vu que l'idée vous plaisait bien, que ce soit le montilier ou les familiers, on a vu que ça vous plaisait bien. Là, il faut qu'on réfléchisse. Pour l'instant, c'est pas encore, on n'a pas encore statué sur cette question-là. C'est exact. Du coup, on peut peut-être commencer à parler des produits. Ah ouais. Gravite autour du film parce qu'il y a énormément de produits. On vous a montré tout à l'heure la super dragoon. Il y a des trucs qu'on doit vous montrer aussi qui sont des toutes nouvelles peluches. Voilà, nos toutes nouvelles peluches qui arrivent très bientôt, qui seront disponibles sur le shop. Attends, j'ai pas dit ta préférée. Alvier, ouais. On a une préférée. Et moi, ma préférée, tiens, ça reste quand même. Ça reste quand même. Je sais pas si vous la voyez, mais la pupusse. Moi, je la trouve vraiment trop mignonne. Ouais, elle est pas mal. Avec Joris et Lilotte, du coup. Après, vous l'avez déjà vu, mais on a déjà un coffret de précommande DVD qui est à la FNAC. Et qui est, du coup, pour ceux... Il y en a beaucoup qui nous disent que le cinéma est pas diffusé... que le film, pardon, est pas diffusé chez eux dans leur cinéma. Donc, évidemment, on prévoit un coffret Blu-ray DVD. Là, celui-là, il est en précommande. Ça veut dire que le film n'est pas à l'intérieur. Le film sera dispo à partir du mois de juin. Donc, vous allez avoir une carte à l'intérieur qui vous encourage à venir chercher le film plus tard. Et à l'intérieur, vous avez un super item qui est la cape de Juliette et que Alvi veut désespérément. Mais il ne l'aura pas. Je l'aurai pas. Ça y est, je l'aurai pas du tout. Ça, c'est fait. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut encore vous montrer? Est-ce que je peux chanter en même temps le téléachat? Ouais, ou pas du coup? Vas-y. Tu sais la musique comment? Tout, 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 doum. Alors, mon cher Simone, on a aussi la boîte de Crossmaster Arena du film. Mon dieu. Magnifique, hein? Ça part en live. Il y a Kill, c'est tu, j'ai pas compris, qui nous regarde en se disant. C'est quoi ces folles, quoi? Bref, nouvelle boîte, nouvelle figurine à l'intérieur et qui est la Mitch au classe. Ouais, complètement, quoi. Spécial voilà. Crossmaster film, quoi. On peut la mettre, la musique? Non, mais je vais la meumeumer. Nous, on aime bien meumeumer les chansons. On aime bien chanter. On aime bien se rendre ridicule, ça nous fait plaisir. C'est ça. Après, oui, on voulait vous montrer un truc aussi, parce qu'on vous avait parlé des t-shirts La Redoute, qui étaient en taille 4-16 ans, et que tout le monde s'est dit, mais c'est quoi ces t-shirts pour gosses? Alors voilà. Et ben voilà, on vous le montre, 16 ans. On les porte, 16 ans. Ça se fait. Voilà, ça se porte facile, donc n'hésitez pas, ils ont été faits par les graphistes ici, donc faites-vous plaisir, ça passe. Ça passe nickel même. Ça, on n'en parle pas, j'ai pas envie. Très bien. Ça... Il y a l'OST du film aussi qui est disponible aussi bien au format CD, comme ici, voilà. Dans une magnifique pochette. Quoi ? C'est exact. Ça, c'est la musique que vous avez entendue au début, vous savez, la musique un peu épique qui vous a mis dans l'ambiance, tout ça, et bien c'est ça. Et donc vous pouvez l'avoir au format CD sur Ankara Shop et vous pouvez l'avoir aussi en dématérialisé. Donc faites-vous plaisir, il y a des moments assez épiques qui sont sympas. Donc sur Deezer et Spotify. Ouais, et iTunes aussi. Et iTunes, voilà. Il me semble. Oui. Tout à fait. Arrêtez de chanter. Tout, 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 loum. Je chante encore. J'aime bien quand elle chante. Tout, 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 j'aime quand elle chante. Pardon. Ici, on a l'artbook making of. Non, c'est tout, 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 loum. Et qui contient pas mal de recherches. C'est dur de montrer un artbook quand même. Pardon. Attends, je vais t'aider. Voilà. Qui contient pas mal de trucs vraiment super sympas. Des éléments inédits. Notamment le design de Joris en petit garçon. Ouais. J'ai peut-être pas le droit de le dire, mais je le dis quand même. Voilà. Non, rien de. Non, c'est dire, un très très bel argot. Et tu as encore arrêté de chanter, c'est incroyable. Tout, 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 et nous avons cette super BD tout, du film tout, tout, Juliette et Jage. Donc, ça, c'est tout, le tome 1. On a eu en question quand est-ce que t'es prévu le tome 2. A priori, ce sera plutôt cet été. Tout à fait. Voilà. Et un produit en exclu pour terminer, histoire d'arrêter de faire le téléachat.
c'est celui-là. Alors, cette toute petite chose est en fait une figurine métal du dragon. Attends, je vais... avec le dofus. Attends, hop, hop, hop. Avec le dofus ivoire. Je sais pas si vous J'sais la voyez. Je sais pas si on la voit bien. Hop. Voilà, très très belle figurine en métal. Voilà. Magnifique. Splendide, que j'essaye de choper depuis quasiment 3 jours, depuis que j'en ai connaissance, mais qui elle est déjà... Ouais, ouais. Elle est magnifique, elle est splendide. Je peux pas l'avoir, ça non plus, c'est pas possible. Très, et non, ce belle. Ne sera pas 25 euros la figurine, ce sera beaucoup moins cher que ça. Oui, voilà, on a fait le tour pour ces questions-là. Il me semble, est-ce qu'on peut remonter la dragoune encore une fois, parce que je sais qu'elle vous fait très très envie. Mais non, mais il veut pas la lâcher. Ah, rends-nous cette dragoune. Sinon on te pète les genoux. Cette... Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Hop là. Hop. Et voilà, du coup, elle va faire le live avec nous. Voilà. Voilà. Parce qu'elle a l'air d'être pas trop trop mal. Et donc, cette dragoune arrive vraiment très, 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 très ce bientôt. Mois-ci. Voilà. Est-ce qu'on peut te donner la date non, ou pas? Non, on ne donne pas de date. On ne pas sur les dates chez Ankama. Pas de date. Oh, dis donc. Oh non, c'est le troll. Et du coup, c'est parti, on peut peut-être répondre à toutes les questions qu'on a ouais. eues. Allez, alors, paf, je prends la feuille. Vas-y, quelles oui. sont les questions que nous avons eues? Alors, voici, ma chère Poupie, la toute première question que nous avons eue. Moi. Mais dis donc, où en est-il le film à l'international? Tu fais super bien, la meuf qui pose des questions. Je suis assez impressionnée. Merci. Alors, au niveau du film à l'international, donc, Chachet Géant Zay, bah ouais, il y en a un qui est caché au fin fond d'Ankama. Il faut le trouver, mais il y en a un. Bref, donc le film à l'international, aujourd'hui, donc, on a eu une diffusion à Bruxelles, à Anima. Pour l'instant, ce qu'on peut vous dire, c'est que... Enfin, ce qu'on vous a déjà dit, d'ailleurs, c'est que... Remonte ton micro, parce qu'apparemment, ils t'entendent pardon, assez mal. Pardon, ça ouais, va, là pardon. Vous m'entendez mieux? C'est bon. Voilà. Un, deux, trois tests. Allô, Houston. Allô, Squeezie, tu vois. on a en fait un agent qui se charge de vendre le film pour nous à l'international. Là, il y a en ce moment un salon très important à Berlin où ils font des ventes pour le film. Pour l'instant, on ne sait pas du tout où on en est. Enfin, si, le film a été vendu au Portugal, je crois. Mais c'était avant ce salon-là. Et là, on est en train de voir pour diffuser le film à Polymanga, donc en Suisse. Encore une fois, on est en train de voir, hein, donc je n'annonce rien, je vous dis juste où on en est, parce que on vous parle en toute transparence. C'est quoi ce hashtag « Je suis tuche » Mais c'est quoi ça, n'importe quoi? Vous êtes dingue. Pas, mais j'ai bien envie de kicker, du coup, tu ouais. vois. Allez, mode va-t'en, bim. Va-t'en. Ah ouais, bah ouais, putain. C'est vrai, je suis tuche. Ouais, c'est pas terrible. Ouais. C'est pas terrible. Donc on essaie de voir effectivement à Polymanga. Là, on était diffusé, je vous l'ai dit, aujourd'hui en Belgique. On a appris qu'on était sélectionné dans un festival au Québec. À Québec, même. À Québec. Donc, on vous dira, on vous donnera toutes les infos dès qu'on les aura. Et on est aussi dans un... Je l'ai dit, pensez au Québec, je l'ai dit. Et on est aussi sélectionné dans un festival au Maroc, au festival qui aura lieu fin mars à Meknès. À Meknès, c'est ça. Voilà. Festival d'animation de Meknès. On essaye de... Même si le film n'est pas vendu dans ces pays-là, on essaye quand même de pousser pour que le film soit montré dans des festivals et que vous puissiez venir le voir. Parce qu'on vous aime quand même. Bah oui. Il est toujours aussi moche, mon cœur avec les doigts, c'est incroyable. Tu vas y arriver un jour. Non, j'arrive pas. Je peux t'aider si tu veux, voilà, regardez. Hop là, cœur avec les doigts. Ouais, voilà. Il est beau le tien. Pourquoi il est pas beau le mien? Ah là là. Bon, allez, on passe à la deuxième question du coup. Alors, la séance du film avec les musiques en live, elle t'aide toujours d'activité. Donc j'imagine que c'est le ciné-concert dont on oui. avait déjà évoqué ouais, récemment. Tout à fait. Voilà. Alors oui. Parce que on a vraiment beaucoup aimé travailler avec l'ONL, enfin l'Orchestre National de Lille. Et dès le début, on a eu l'idée de faire un ciné-concert. Donc ça veut dire que vous avez le film qui est projeté derrière vous et en même temps, on a l'orchestre qui joue les musiques du film. Ce qui va être assez, assez incroyable, je crois. Donc là, effectivement, l'idée de faire ce ciné-concert est toujours là. Maintenant, savoir quand ça se fera, dans quelles conditions et tout ça, pour l'instant, c'est encore flou, je vous l'avoue. Mais oui, il y aura un ciné-concert. Et comme d'habitude, dès qu'on en saura plus, petit café qui dit « Mazoura, dessine un cœur avec tes doigts pour piquer des coucougnettes géantes. » Tu refais des coucougnettes et moi un cœur avec les doigts.
Pardon. Pourquoi ? Mais on n'en peut plus de cette coucougnette géante. C'est incroyable. C'est incroyable. On va pas s'en dépêtrer. Non, c'est mort. C'est foutu. Autre question, ma chère. Allez, une autre question, c'est parti. Alors, du coup. On est vachement plus dynamique que les mecs qui étaient là avant. Mais arrête, tu peux pas le dire. Une date est annoncée pour le deuxième tome de la BD du film. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc, cet été. Cet été. Voilà. Donc on ne dira pas de date non plus. Hein. Non, pas de date. Voilà. On n'aime pas de date. La précision, voilà. Voilà. Non. Alors, je préfère vous dire quand c'est sorti. Question très très intéressante. Y a-t-il des scènes qui ont été coupées du montage du film final? Si oui, pourrons-nous les voir un jour? Des scènes. Alors il y a des passages du film qui ont été coupés, oui. Des scènes entières que vous pourrez retrouver dans un bonus DVD, non. Parce que. Pour tout vous avouer, ce qui a été coupé, c'est surtout des scènes où on voyait des boobs ou des scènes un peu trop... Un peu olé, quoi. Du coup, pour parce ceux... qu'on a... On a je rebondis juste, pour ceux qui connaissent, du coup, sur le port de Madrestam, la Maison Rose, sachez qu'elle a été plus ou moins dans le film à un moment, et que ça en fait, c'est une scène coupée, en fait, qui n'a pas été, du coup, gardée, enfin, voilà. Il y a eu beaucoup d'idées parce que, de toute façon, Todd vous l'a déjà dit, mais il a passé à peu près 5 ans à écrire le script du film. Donc, il me semble avoir dit quand j'ai fait le stream CDO, mais si on devait mettre toutes ces pages Word bout à bout, on aurait 18 000 pages Word. Donc, il y a eu une version où on parlait des dieux. Enfin, il y a eu pas mal de choses différentes. Et donc, voilà, des scènes coupées que vous pourrez retrouver, non, il n'y en aura pas. Et vaut mieux. Et vaut mieux. Ok, alors, quelle alternative pour la diffusion de la suite de l'histoire s'il y a un deuxième et troisième film, si ce n'est pas possible ? Ça, c'est une bonne question. Je vous avoue encore une fois que pour l'instant, on ne sait pas. Donc, vous allez dire qu'il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, mais on ne peut pas présumer de ces choses-là maintenant. Encore une fois, nous, on est super contents des retours et des critiques que vous nous avez faites, parce que les critiques presse... on ne va pas trop en parler. On verra pour le deuxième et pour le troisième. Pour l'instant, on ne s'est pas encore vraiment posé avec Tot pour en parler et pour faire un point sur tout ça. Mais encore une fois, je vais répéter la même chose, mais on vous tiendra informés dès qu'on peut. Pardon. La question de Cisaiox qui me fait beaucoup rire. Bref, pardon. Non. Non, bref, on n'en parle pas. Très bien. Donc, merci, du coup. Voilà. Alors, du coup, question un peu fâcheuse. Oui, bon, j'ai peur. Obligée. Toujours pas de news à propos de l'Ankama Animation Contest. Alors, là, c'est de ma faute. Oula. C'est mon entière responsabilité. En fait, pour l'Ankama Animation Contest, les gagnants devaient venir à la base au mois de février dans le studio pour... voilà, il y avait 2 jours de masterclass qui étaient prévus dans le studio. Et en fait, le studio, là, est en plein rush sur la saison 3. Donc, on a pris pas mal de retard sur cette organisation de visite. Et donc, du coup, on ne s'est pas pressé pour mettre les votes en ligne. Et donc, c'est de ma faute. Mais les votes en ligne vont bientôt arriver, n'est-ce pas, ma chère Alvi? Ça va bientôt arriver. Voilà, parce que maintenant, c'est elle qui en a la responsabilité. Ouais. Donc, si ça n'arrive pas, c'est moi qui faut engueuler. Qui taper. Et voilà, ça, on ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, on va bientôt s'en occuper. Maintenant que la pression est un peu retombée, on peut s'occuper de tout ça. C'est le festival, toute cette pression. Voilà. En plus, on a une attachée de presse qui est maquillée, je ne vous raconte pas. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Bref, j'ai un peu peur quand je chante. Dernière question ? Non, il y en a encore quelques-unes. Après cette longue vague de Village Dofus et de Dofus Days, d'autres projets IRL sont-ils déjà prévus ? Bien sûr, parce que comme on vous le disait, ça a relancé une nouvelle dynamique à Ankama, donc pour l'instant on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. On ne sait pas exactement de quelle manière on va venir vous voir, mais c'est une volonté qu'on a d'être plus présent et pas forcément dans le cadre de gros salons type Japan Expo, mais de pouvoir faire des événements aussi un petit peu plus cool, comme ce qui a eu lieu dans les Dofus Day, parce que c'était quand même vachement sympa, les Dofus Day. On a été bien accueillis déjà par les différents cinémas, et puis voilà, à chaque fois, dans les Dofus Day type Angoulême, vous étiez, je sais pas, 500 à passer à peu près à chaque fois, et c'était... Moi, j'ai bien aimé ce cadre-là, ouais. Et je pense que toute l'équipe a bien aimé à chaque fois. Et donc, c'est ce genre de choses qu'on va essayer de reproduire. Et on, en
encore une fois, on vous en dira plus dès qu'on le pourra. C'est ça. Donc toujours rester en alerte sur les news, hein, quoi qu'il arrive. Les lire aussi. C'est important de lire les news jusqu'au bout. Parce que le nombre de questions qu'on a eues, mais on a combien d'entrées? C'était écrit dans la news en fait. Ah là là, mon Dieu. Enfin, on passe à la prochaine question. Donc comment récupérer des affiches du film exposées partout en ville? Alors, moi, j'ai déjà fait l'expérience sur d'autres affiches. Je sais que c'est JC Déco, la société qui met en place ces affiches. Donc, du coup, c'est à eux de leur demander directement. C'est pas souvent gratuit. Soit tu as de la chance et tu chopes le mec qui est en train d'installer l'affiche ou non. Et dans ce cas-là, oui, effectivement, ça peut être gratuit. Sinon, il faut leur demander. Et voilà. Sinon, l'autre alternative. L'autre alternative, c'est qu'on a fait des très très grandes affiches en 120 par 160 qu'on a vendues pendant les Dofus Days. Et on les vendra très certainement aussi, il nous en reste un petit peu. Donc on les vendra très certainement sur des salons, pas sur Encama Shop, parce que c'est un format qui a du mal à passer en envoi postal. Mais sur des salons type Japan Expo, ou quand on viendra vous voir, vous pourrez les retrouver, ces grandes affiches. Yes. Donc c'est au top, quoi. Ouais. Alors, on passe à l'avant. J'ai vu passer un commentaire qui nous dit pourquoi vous faites un stream si c'est pour dire je sais pas à toutes les questions. C'est quand même super méchant de dire ça. C'est un peu super en méchant. En plus, on dit je sais pas tout le temps. Non, on dit non. Pas je sais pas. Toujours la phrase. Bah oui, mais. En même temps, on peut pas vous donner vraiment de dates précises si même nous les avons pas, et donc du coup, on préfère vous dire que les choses que nous avons de sûres. Voilà, on communique dessus et puis c'est vrai qu'on a de très beaux projets, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent être organisées, etc. Donc pour l'instant. Et en plus, du coup, ça vous montre qu'on prend en compte vos demandes, parce que c'est souvent aussi le reproche qui est fait sur le forum en disant bah, dites-nous au moins, on s'occupe de ça. Donc on s'occupe de ça. On s'occupe de tout ça. Voilà. Alors il reste 3 questions. Dis-moi. Et puis en même temps, je suis en train de voir du coup sur le hashtag Dofus Live, sur lequel vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions. Je vois encore en fait que des questions Dofus. Donc non, on s'occupe pas des questions Dofus. Hein. Non. Voilà. Automustam, tout ça, je vois passer, mais je ne peux rien faire pour vous. Là, alors, pour vous, je sais vraiment pas. Là, j'ai une question vraiment très difficile. Je sais pas si tu vas réussir à y répondre. Je suis prête. T'es prête? Oui, ok. Je suis prête. Étant donné que Hush est tout en bas de la dimension. Ah non, je suis pas prête. Je suis pas prête. Laissez-moi. Est-ce que c'est le fils d'Ekaflip le plus détesté? Elle est chaude, hein, cette question, ça arrive. Oui. Je sais pas. Tu peux répondre, je sais pas. Disons que pour l'instant, sur les fils d'Ekaflip, on en connaît effectivement 3. Entre Kerubim, Acham et Hush. Hush, c'est... Pour ceux qui ont regardé la série Wakfu, ils savent qu'il a rejoint la confrérie. La fratrie des oubliés, pardon. Il n'a pas rejoint le côté d'Hugo, hein, il était de l'autre côté, il est dans la fratrie des oubliés. Du coup, c'est un peu comme Acham, un fils d'Ekaflip qui est plutôt du côté obscur d'Ekaflip. Et vous dire, est-ce que vous êtes sûr qu'il est tout en bas, ou est-ce que vous avez encore regardé en bas, parce que je suis sûre qu'il y a encore d'autres temples encore en bas. Oula, la réponse qui met le doute, quoi. Merci, Poupic, pour cette magnifique réponse qui fout le doute. Voilà, de rien. Merci, mon bonsoir. Dieu. Alors, du coup, il reste 2 questions. Je recheck, normalement. Tac, tac, tac. Donc, serveur héroïque. Ben non, c'est pas nous, hein, serveur héroïque. Non. Tac, tac, tac. Ah, ben, spoil, mais vous fallait aller voir le film, hein, on vous aurait pas spoilé, les mecs. Hein. Au bout d'un moment, vous pouvez y aller, du coup, demain et dimanche, aller voir le film. Vous aurez pas trop été spoilé. Un peu, mais bon, il faut bien vous donner un peu envie. Pas tant que ça. Alors, j'ai une question sur Twitter. Combien de temps de production le film a-t-il duré? A-t-il duré, oui. Bah, comme je le disais, toi, tu as passé à peu près 5 ans à l'écrire, et en production, ça a été assez rapide parce que c'est les mêmes équipes qui ont travaillé sur la série Wakfu qui ont travaillé sur le film Dofus. Du coup, on a mis à peu près 18 mois à produire le film, ce qui est quand même assez rapide pour un film d'animation. Voilà. Est-ce qu'il sera possible de le voir sur Netflix ou d'autres plateformes VOD? Pour l'instant, et je l'ai découvert aujourd'hui, le film est en précommande sur iTunes. C'était sur iTunes. Ouais. Donc il est en précommande. Par contre, c'est comme pour le coffret DVD, c'est qu'il ne sera pas disponible avant juin.
Et pourquoi pas avant juin? C'est parce qu'il y a une chronologie des médias à respecter, en fait. Quand vous sortez un film au cinéma, vous pouvez pas après le mettre à dispo comme ça, comme vous voulez, que ce soit à la télé, que ce soit en DVD ou que ce soit en streaming. Il y a vraiment une chronologie à respecter. Et au niveau du coffret DVD, on peut pas le sortir avant les 4 mois, enfin 4 mois après. C'est un peu compliqué ma phrase, mais bref, on peut le sortir qu'au mois de juin. Arrête de rire, fais attention. Et d'ailleurs, dans le coffret précommande DVD de la FNAC, vous avez votre carte qui vous permettra de retirer le fameux DVD Blu-ray même. Blu-ray, ouais. Incroyable. Incroyable, c'est dingue. Une qualité exceptionnelle, on n'a jamais vu ça. On est déconcertés là. Ouh là là. Alors moi j'ai vu encore une toute dernière question, tac tac tac, qui passait sur le chat. C'est très compliqué en fait de suivre le chat en même temps, mais je l'ai vu. Oui. Qu'allons-nous faire après le film? Nous? Ouais. Ah bah nous on part aux Bahamas. Allez, ciao, bye. Avec Ali. Pisse tout le monde. On a encore du travail hein, quand même sur le film, parce que effectivement il y a du, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, il y a quand même des diffusions encore à l'international. Il y a tout ce qui est coffret DVD. On a le ciné-concert à organiser. On a encore pas mal de choses à prévoir, et après ce qu'on fera spécifiquement. Je sais pas. L'avenir nous le dira. Je sais pas. Voilà, Pôle emploi, pourquoi pas. Non, non, pas Pôle emploi. Le message caché déguisé là, c'était freestyle. On sait jamais. Voilà, alors je crois que nous avons. On nous demande à quand le vinyle de l'OST du film. Je ne crois pas que le vinyle soit prévu. Je ne pense pas que ce soit prévu. Bon, bah voilà. Désolée. Réponse. Après, c'est une idée qui peut valoir le coup d'être mentionnée. Hein. Nous, vous savez, vous nous donnez des idées, après on les soumet et puis on voit ce qu'il en est. Hein. Donc, c'est ça. Pourquoi pas? Alors, en fait, si j'ai encore des questions. Ah oui, d'ailleurs, je le vois passer, trop magique, merci beaucoup, merci à toi. Il dit, est-ce que vous allez faire un jeu en rapport avec le film? Donc il y a Dofus Pogo qui est sorti le 3 Attends. Février. Vas-y, je le montre. Montre. Donc c'est un jeu qui est complètement gratuit, que vous pouvez télécharger sur iPhone ou sur Android, et qui est un jeu super sympa qui se prend pas la tête, où vous devez balancer des tofus sur des gros monstres. Attends. Et donc si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas aller le voir, alors déjà c'est mal, mais vous pouvez découvrir l'histoire du film avec les différents niveaux de Dofus Pogo. On voit pas, je sais pas si vous voyez très très bien, mais donc en fait le but de Dofus Pogo, vous voyez il y a le Dofus Eben qui est là, c'est de protéger le Dofus Eben. C'est dur, hein. J'y arrive pas. Voilà. Tac, 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 et c'est parti. Et donc, du coup, vous avez des petits tofu que vous devez envoyer en l'air et faire péter tous les mobs qui arrivent. Voilà. Voilà. C'est un petit jeu très sympa. Très, très sympa. Même moi, j'ai réussi à y jouer. C'est incroyable. Quelle vague. Jusqu'à quelle vague? Jusqu'à ce qu'il y ait des trucs qui volent. Vague 2, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est vraiment, ce qui est déjà quand même balèze. Mais par contre, je sais très bien chanter. Je suis très balèze au karaoké. Et elle me le prouve tous les jours, hein, je peux vous le garantir. Ah, il y en a un, il dit je meurs toujours vague 5. Tu vois, ouais, mais c'est déjà et pas bouffe mal, tout, moi je suis jamais arrivée jusqu'au bouffe tout. Ouais. Oh. Voilà, donc pas d'autres questions? Alors, si. Ah. Est-ce que. Alors, papa, du coup. Non, ton pas, je vois ta question, un récap de tous les deux fous en vidéo. Non, malheureusement, on en a fait un récap à l'homme. Et pour les autres, non, parce qu'on n'avait pas pris d'équipe vidéo pour tourner directement. Donc, il n'y en aura pas. Il y en a eu un pour l'homme et pas pour le reste. C'est voilà. Ça. Alors, du coup. J'avais une autre question. J'avais une autre question. Attends, il y a une question là. Est-ce que vous avez beaucoup rigolé en voyant les vidéos des guides pour le... Oui. C'était excellent, c'était vraiment génial. Et en plus, on les a re-regardés là, parce que dans la lettre à la communauté numéro 2, on a remis quelques vidéos. Donc on les a re-regardés avec Tot, avec Cam, enfin bref. Et c'était génial, c'était incroyable de voir ce que vous avez fait. Pourtant, on a quand même essayé de trouver des épreuves un peu tordues. Je sais que t'es gagné. Fais pas genre je me la raconte, je sais que t'as gagné. Mais c'est ça. Mais oui, on a beaucoup rigolé, c'était fun. Moi je me suis dit qu'on devrait faire plus souvent des trucs comme ça. Ah, oula, je viens d'avoir une question. Vas-y, dis-moi. Un truc de fou. Un petit mot sur l'apparence de Joris sans costume. On dirait le modèle sous les skins de Dofus sur tous les persos. Est-ce que nous sommes tous des Joris? Bien non. Oh, t'as cassé. Je suis là en train de faire ah et non. Non, parce que Joris c'est Joris, mais après c'est vrai que ça ressemble effectivement, ça ressemble au skin. Ils ont sans doute dû s'en inspirer. Merci.
Merci beaucoup. mais non, on n'est pas tous Joris parce qu'on n'a pas tous l'âme d'un. Oh, je dois pas le dire. Vous avez pas vu le film, faut pas que je. Oui. Que je dise. Faut pas que tu dises. Voilà. Je me suis arrêtée là. Hashtag nous sommes. Ah non. Et non, désolée. Alors là, normalement, c'est la dernière question que j'avais. Est-ce que la distribution va continuer à évoluer? Je te déteste, toi qui as eu de cosplay. Oui, c'est moi. Mon Dieu. Alors, du coup, je reprends. Et donc, non, savez-vous si une convention est prévue à Clermont-Ferrand? Non, on a fait une avant-première du film à Clermont-Ferrand, mais pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, sur les dates et sur ce qu'on veut faire exactement, je peux pas dire oui, on va être là dans telle ville ou dans telle. Pour l'instant, Clermont-Ferrand, dans les 2 mois qui arrivent, c'est pas au planning. Tant pis. Peut-être voilà. Un jour, hein, qui sait. Alors, du coup, je rebondis du coup dessus en disant est-ce que la distribution va continuer à évoluer comme les cinéphiles? Où GBK a mis un frein. Alors oui, et puis j'ai vu aussi pas mal de gens qui critiquaient la distribution du film et GBK. Donc sachez que à ce niveau-là, c'est très compliqué pour un distributeur de vendre un film comme Dofus si on n'est pas un gros distributeur qui a une réputation de malade. Et GBK a fait vraiment un travail assez formidable, je trouve, au niveau de la répartition géographique du film, parce que ce qu'il a essayé, c'est de couvrir un maximum la France, même si effectivement il y a des zones où c'est pas toujours évident d'aller. Après, notre film, même si là il est pas présent dans plein de cinémas maintenant, il aura une vie assez longue, c'est-à-dire que par exemple, on a des cinémas qui nous demandent de faire des événements pour fin mars. Donc, on peut voir d'autres salles apparaître. Si c'est pas la semaine prochaine, ce sera peut-être début mars, et ce sera des cinémas plus petits. Du coup, ce sera pas des multiplex, ce sera pas des UGC ou des Gaumont, mais le film aura une durée de vie assez longue. Donc, de toute façon, là, c'est comme j'ai l'impression de me répéter 70 fois, mais suivez les news, on vous tiendra assez régulièrement informé sur tout ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pense de la critique élaborée du Parisien? Je vais reprendre une phrase que j'ai entendue dans. Parce que toi, t'es allé dans une émission sur No Life lundi, je sais pas si vous l'avez vu, et il a dit un truc que j'ai trouvé mais assez fantastique à propos du Parisien. Il a dit tous les cons sont dans la nature. Tous les goûts sont dans la nature. Donc voilà, je trouve que ça résume assez bien du Parisien. Tout à fait. Donc moi, je revois passer une question concernant Avignon. Sachez que du coup, sur la page Facebook Dofus le film, donc Dofus livre 1 Julite, il y a toutes les informations concernant Avignon. Il y a même du coup, par conséquent, un event qui a été créé. Vous pouvez vous participer du coup directement et avoir toutes les informations sans aucun problème. Voilà. Voilà. Je crois qu'on a arrêté au niveau des questions. Je vois plus rien. Ouais. Voilà. Est-ce que le film atteint ce moment là? Eh bien, je crois que c'est tout bon. Ouais. Nous allons rendre l'antenne. On rend l'antenne. En tout cas, merci à tous. Oui. Voilà, on va. Ça nous a fait très plaisir. On était un petit peu stressés. Oui. J'avais un petit peu mal au ventre avant de venir, mais ça. On vous fait d'énormes cœurs avec les doigts. Attends, je vais réessayer de. Vas-y, faire. Réessaye. Attends, hop, hop. Attends, voilà. Comment tu fais? Mais je sais pas. Je crois que j'ai un don pour faire des cœurs avec les doigts. Il y a un doigts. Don. Voilà. Oh là là là. Je préfère le dire en hashtag moi. Bon, gros bisous à tous en tout cas. Des gros bisous à tout le monde et à très très bientôt. Salut! Ciao ciao! On relaisse le micro. À qui? La peluche! On se bat pour la peluche! Rebonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir, presque il est 19h18. Donc moi je vais pas rester très longtemps, juste si vous avez une ou deux questions à poser, parce que voilà, vous avez une annonce, je suis donc effectivement le nouveau CM Dofus en binôme avec Xialé. Vous avez tous remarqué, vous êtes pas dupes, que j'ai un peu la même tête qu'un mec qui s'appelle Farrell. Non, je m'appelle Kills. Voilà, il y a eu deux pseudos pour bien séparer mon statut professionnel et mon statut de joueur, pour que ce soit plus clair pour vous. Donc si vous avez des questions, on a peut-être 5 minutes maximum, 5 minutes de questions, vous pouvez y aller. Des questions sur mon arrivée, puisqu'en fait, vous doutez bien que je suis arrivé là il y a une semaine et demie, bah deux maintenant. Donc au niveau information sur ce qui se prépare en studio et tout, j'ai pas encore tout en main pour vous répondre de manière effective. Non, ce n'est pas Squeezie, non. Non, non, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais c'est pas Squeezie, non.
Le recrutement des modérateurs va-t-il reprendre un jour? C'est en effet quelque chose dont on a discuté et ce sera, c'est prévu. On vous informera. Tu as postulé, on t'a proposé pour le poste. Non, pas du tout, on m'a pas proposé le poste. J'ai répondu à l'annonce sur, qui était postée sur Jobankama et j'ai répondu il y a un moment déjà. J'ai passé tout un processus de recrutement, des entretiens, tout ça, et j'ai finalement été embauché. Est-ce que tu arrêtes ta chaîne YouTube? Elle est déjà en pause depuis un moment. Donc a priori, ça changera pas grand chose pour vous. Ma chaîne Twitch, forcément, pour l'instant, elle est en pause. Si je rejoue. Je me fais attaquer par les Dragon Rose. D'ailleurs, je suis trop. Donc, ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube pour l'instant en pause. Et on verra comment ça évolue. De toute façon, j'ai déménagé donc j'ai pas mon PC et j'ai pas de connexion internet fiable. Donc, pour l'instant, vous ne verrez que sur les lives officiels dans Kama. Tu comptes t'inspirer du travail de Sylphane au niveau du PVPM? Ça va mal évoluer déjà avec ce qu'a fait Xialé. Ensuite, c'est pas ma mission principale, mais forcément, sur ce genre d'événement, il y a besoin de deux paires de bras, donc on bossera ensemble avec Xialé, on essaiera de trouver de nouveaux concepts. Hop. Placement de produit. En tant que CM, tu as le droit de participer à des concours. Donc tu, par concours, tu entends sûrement tournoi PVP. Non, je vais éviter de participer à des tournois officiels, j'y participerai plus. C'est aussi pour ça que j'ai pas participé au Million Griff. Finalement, j'ai accepté juste de remplacer les tournois non officiels, rien ne m'empêche d'y participer a priori. C'est quoi ton rôle dans clairement développer l'e-sport? Confirmer le rapprochement YouTubeur, Twitcher et Kankama activité sur les associations de ta mission principalement. Alors, comme j'ai dit dans l'annonce, ma mission principale c'est de faire. De faire ce lien effectivement entre la communauté YouTube et Twitch qui évolue sur Dofus, de mieux discuter avec eux, de mieux leur proposer plus de choses, de voir comment on peut travailler ensemble. Et moi justement, c'est aussi une raison pour laquelle j'étais engagé, c'est que j'ai ce contact déjà, puisque la plupart des YouTubeurs et des streamers, je les connais au minimum de loin. Et du coup, ça va être plus simple pour vous contacter, pour discuter avec vous, pour voilà, travailler ensemble. Ce sera beaucoup plus cool et beaucoup plus simple. Tu iras toujours commander sur le CDO, effectivement, mais je porterai le pseudo de Pharrell et pas de Kills. Pourquoi là? C'est pas gentil ça. Si tu as gagné les Million Griff, c'est car tu es de mèche avec Ankama et au fait Jakmar est une machine programmée. Effectivement, Jakmar était un bot. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Oui, effectivement, Prince Bouéchien le fait bien remarquer. Les subscribers qui sont encore subscribe sur ma chaîne Twitch, désabonnez-vous. Je n'aurai pas de live personnel, ce sera des lives officiels comme vous venez d'avoir. Ton arrivée va-t-elle avoir un impact sur la zone 48? Alors, pas la zone 48 directement, mais il y a d'autres choses en préparation. Je peux pas vous en dire plus pour le moment. Ça va pas te rendre de fou cette schizophrénie obligatoire. Ça va être un peu troublant au début, mais je pense que je vais m'y faire. Pourquoi t'as choisi Kills? Parce que c'était un pseudo que j'avais il y a très longtemps. D'ailleurs, que certains l'ont remarqué. Je vais devoir laisser l'antenne, les gens. J'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas sur Twitter. Donc, si vous avez. Je vais mettre les choses bien au clair tout de suite. Si vous avez des questions qui concernent mon rôle de CM chez Ankama, vous les posez sur le compte Kills Ankama. @kills-ankama. Et si vous avez des questions plus perso ou quoi, ou me poser des questions en tant que joueur, vous pouvez toujours le faire sur mon compte personnel. Et les deux sont vraiment dissociés. Je ne répondrai pas à des questions pro sur mon compte personnel. Et voilà, donc je vais devoir vous laisser. Puisque tu es sur le point de nous quitter, pourras-tu nous garantir plus de live officiels quand? C'est un objectif qu'on a et que j'ai. Je peux pas pour l'instant vous dire quand, là c'était voilà, ça s'est fait assez vite quand même, je suis arrivé il y a deux semaines, il y en a déjà un. Donc on va essayer de les multiplier, de voir ce qui est possible de faire sur YouTube et sur Twitch, et on vous tiendra au courant de ce qu'on décide. Voilà, je dois vraiment laisser l'antenne parce qu'il y a un live en fait international qui arrive juste après, qui commence à 20h. Donc je dois laisser les choses s'installer. On a là à 20h, donc en fait ce live là qui va être fait pour les internationaux. Donc si vous êtes anglophile, vous pouvez bien sûr...
passer sur la chaîne anglaise. Et moi, je vous fais des bisous et on se retrouve très très vite sur Twitter. N'hésitez pas à envoyer un message, je répondrai du mieux que je peux parce que je pense que je vais être un petit peu flou de départ. Après, ça ira mieux. Et ensuite, on se retrouve certainement sur YouTube et sur Twitch. Très très vite. Allez, bye bye tout le monde. Moi, je laisse l'antenne. À la prochaine. Coupe pas. Ouah, t'arrives au bon moment, j'allais appuyer là. Ouais. Tu veux le casque ? Je mets le casque, juste deux minutes. J'ai juste oublié de dire à tous que mine de rien, Ankama, c'est une sacrée aventure humaine. Et je dirais même que c'est très très sale. Et on se retrouve donc la prochaine fois, les gars. Je coupe vraiment le live après cette intervention magnifique de Alvi, alias Mazura, alias je sais même plus quel est son pseudo. Voilà. Bye bye tout le monde, à la prochaine.